Et vous m'avez cramé, c'était Vexento, glad to see you. J'ai l'impression d'être un animateur de radio en faisant ça. Cette intro, bonsoir à tous, bienvenue sur ce stream Monster Hunter World. Je vais vous mettre tout de suite le layout, le magnifique layout. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, c'est impeccable. Normalement, je devrais pouvoir vous voir. J'ai le chat qui vient d'être activé sur... sur mon portable, parce que mon écran est décédé, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Donc nous sommes sur un stream très, très important pour moi, puisque nous allons finir ce jeu qu'on a attendu depuis 10 ans, ce jeu qui nous a tous fait rêver lors de son annonce à l'E3 il y a 2 ans, je crois, maintenant. C'était absolument incroyable, c'était une hype, je me rappelle toutes les sensations, et nous allons faire les dernières quêtes de ceci. Alors, petit changement, vous voyez que j'ai quand même chassé un petit peu, je me suis fait un petit peu de pépette, et que j'ai changé d'arme, vous m'avez vu, je crois, sur la Morpho H, etc., c'était cool, mais j'étais plus trop à l'aise, etc., donc du coup, je me suis simplement dit, pourquoi pas simplement changer d'arme, je vais tester, et du coup, il y avait des armes qui m'ont tapé dans l'œil, donc je vais tout vous raconter. Nous sommes en stream pendant je ne sais pas combien de temps, ça sera indéterminé, ça sera jusqu'à ce que le stream s'arrête et que le jeu soit fini au moins, puis je pense qu'on continuera de jouer, on fera peut-être une session tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Et bonjour à toi Tifou211. Comment ça va? Voilà, je préviens les gens que actuellement j'ai eu un petit problème de manette, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à arriver, que je vous ai mis un petit waiting screen, puis comme ça le temps que les gens arrivent. Alors, au niveau des petites surprises que je me suis faites, simplement je me suis fait quelques petits plaisirs. Alors voilà, je rejoue marteau, un marteau qui est une arme absolument folle, absolument extrêmement intéressante et qui m'a fait énormément plaisir de la rejouer. Et je me suis dit, mais attends petit bis, toi qui as été sur MHO et qui n'a jamais été sur MH4U, qui n'a jamais été sur MHGen, tu as surkiffé la nouvelle mécanique de la Volto-H, même si tu es très mauvais avec, puisque tu n'as pas beaucoup d'heures avec et il faudrait vraiment que tu t'améliores. Et du coup, là, en ce moment, j'étais en mode, oui, bon, bah, c'est bien, mais j'ai fait un peu le jeu sur PS4 avec cette arme-là, et j'avais envie d'un peu de changement. Donc j'ai fait un peu de Morpho H, que j'avais pas du tout joué sur PS4, et du coup, je me suis dit, mais attends, il y a une nouvelle arme que t'as complètement zappée, une arme qui me faisait pas trop d'œil au début, et puis après, je me suis dit, bon, faut quand même que je la teste, même si elle est un peu compliquée, donc j'avais regardé un petit peu comment ça fonctionnait, je savais à peu près comment ça fonctionnait, et au final, j'ai commencé à faire une arme, voilà, Nergigante. On va spoiler comme des enculés ce soir, donc j'espère que vous venez sur ce stream et vous voyez qu'on finit le jeu, j'espère que vous attendez à vous faire spoiler, donc je dis complètement les noms, etc., je vais éviter de trop dire, parce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, et je vais éviter de spoiler aussi du mieux que je peux, mais de temps en temps ça va m'échapper, donc faudra pas vous plaindre. Donc du coup j'ai fait l'arme Nergigante, qui est très forte de base, etc., c'est l'arme où, à mon niveau, tu te dis, mais en fait, toutes les armes Nergigante sont complètement craquées, juste avant de te rendre compte qu'en fait, bah, plus tard dans le jeu, tu débloques les nouveaux paliers, etc., et du coup, bah, quand t'arrives, tu dis, ah ouais, mais en fait, il y a encore un autre palier, il y a encore des armes qui ont eu de différentes raretés, ça se trouve, il y a quelque chose de meilleur, enfin bref. Et du coup, donc je me suis fait cette arme, j'ai été farmer 2-3 Nergigante, j'en ai chié, mais je peux pas vous dire comment, je me suis fait chier à la morphoage, je me suis fait chier au marteau, etc. Au marteau ça allait un peu mieux, parce que je lui cassais les deux cornes, mais il me finissait par me tuer toujours, constamment, et du coup c'était un petit peu galère.
Donc du coup, je me suis dit, mais je vais commencer par simplement, purement et simplement, je vais peut-être tweeter aussi, pendant que je vous raconte ma vie, je vais essayer l'insectoglève. Et là, ça a été une histoire d'amour qui a commencé. Il y a eu des couleurs bariolées, du rose, et une petite musique entraînante de films porno des années 90. Et puis d'un coup, j'ai commencé à faire faire un ouragan, faire un air gigante, etc. Je venais de finir mon insectoglave, c'était la première fois que je jouais. Et là, ça a été vraiment une arme que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Pas forcément pour tous les combos, etc. Pas forcément pour. Enfin, si, même si la mécanique de prendre des buffs, etc., est intéressante. Mais c'est vraiment les combos corps à corps qui étaient vraiment intéressants et qui m'ont vraiment fait plaisir. L'animation était magnifique. Et du coup, ça m'a donné envie de la jouer. Le fait d'être en haut, de pouvoir jumper, etc. Finalement, c'était quelque chose que j'avais complètement sous-estimé. Et du coup, eh ben ça a simplement fini par me faire extrêmement plaisir. Donc je vais prendre vite fait, hop, mon dashboard, je vais changer le titre. Je fais deux, trois petites choses en même temps. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à me faire le premier. Alors j'ai demandé quelques conseils à Setsuna que vous connaissez déjà sur ce stream. Je me suis dit, bon, voilà, je vais, hop, on finit le jeu. Et on prend le temps. Voilà. Donc du coup, j'étais tranquille en train de jouer avec Setsuna et les copains. Avec un S, c'est mieux. Et du coup, je lui ai demandé, apparemment plein de gens jouaient avec l'insecte explosif, je comprenais pas forcément trop pourquoi, et fait au final, bah, de... Quoi? Vous allez déjà finir le jeu? Et oui, je vais déjà finir le jeu. Alors, il y a encore quelques... Il y a encore quelques chasses à faire, donc ne vous en faites pas, il y a encore ce qu'il faut pour croquer. Donc il y a à peu près, j'estime, 4 chasses, si je ne me foire pas, avant la fin. Donc on va vraiment prendre le temps, parce que c'est une partie que je n'ai jamais faite. Et c'est un jeu qui me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir au niveau de son lore et au niveau de son histoire. Donc on va vraiment prendre le temps. Donc vous voyez qu'il y a quand même des... Genre, il me manque encore. Vous voyez qu'il y a des spoils qui sont en haut à droite. Et bonjour à toi, Hyrolis, et bonjour à toi, Skytus. Et du coup, voilà. L'insectoglève, le papillon poison. Vous voyez aussi que j'ai fait. J'ai fait aussi. Attendez, hop. Un papillon soin. Alors, je sais pas, non, celui-là, c'est paralysie. Et j'ai fait un papillon soin. Alors, attendez, parce que faut que. Je n'ai plus le bouton RB actuellement sur ma manette. J'ai dû changer de manette, j'ai dû retourner sur celle qui était pétée. Faites des dons pour m'acheter une nouvelle manette. Parce que franchement, là, c'est horrible. Du coup, j'ai fait aussi un soin pour tester un petit peu. J'ai testé la paralysie, c'était mignon. Mais au final, c'est vrai que l'explosif est vraiment très intéressant. C'est quand t'es en mode full farmable, full tu farm, etc. Le paralysie est très intéressant, puisque du coup une petite paralysie, c'est toujours intéressant avec les copains. Et il y a surtout une chose qui me fait extrêmement plaisir, c'est que, et ben simplement, le paralysie a un soin, un self-heal pour moi-même, qui est absolument incroyable, qui est plus gros qu'une potion, hein, je vous le dis. Donc du coup, du bon farm de porc en gros. Oui, non mais c'est ça. Je suis déçu, le fusain lourd du Nergi est tout pété. Ah bah moi je sais que je suis tombé amoureux de celui du Toby Kedashi. Donc si jamais Skytos, tu veux un petit conseil sur le fusain arbalète lourd du Toby Kedashi, pourquoi je l'aime bien, etc. On va prendre 2 secondes, hein, pour répondre un petit peu aux questions des gens. On a le temps de toute façon, hein, on a le temps. Donc c'est où? Alors mon menuing qui va se faire un peu partout. Ce qui est un peu horrible. Donc déjà, on a les perforantes 3. On a les perforantes 2. Les perforantes 3, je les ai quasiment jamais utilisées. Je dois bien avouer, à chaque fois, j'utilisais autre chose. Donc du coup, on a les anti-blattage 2 pour pouvoir stun et pour pouvoir break les morceaux. On a les fragmentations 2 qui sont un réel plaisir dans les yeux quand t'arrives et tu mets un gros coup de mortier et que ça fait... Blablabla. Voilà. Et tu as les paralysantes 1 et les paralysantes 2. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, les paralysantes 1 te permettent en 6 tirs généralement de faire... la paralysie sur un nerf giganté. Et la paralysante 2. Et généralement, avec quelques tirs supplémentaires de paralysante 1, capable de te faire une deuxième paralysie.
Et là, tu commences à voir que c'est quand même très intéressant au niveau du contrôle avec tes potes. Donc, sachant que le paralysante 1 se tire très rapidement, ça se recharge très rapidement. Vous voyez que là, j'ai mis un cross et un chargeur pour pouvoir avoir les munitions qui partent un peu plus rapidement, sans recul, etc. Et du coup, on a les somnifères aussi. Toujours 6 tirs sur le narigante et tu fais faire dodo le monstre. Et ça, je peux te dire qu'avec un petit sleep bombing indé, c'est un plaisir. Et si tu n'as personne pour réveiller le monstre, ne t'en fais pas, puisque cette fusée arbalète a aussi le tir wyverne, qui est l'espèce d'énorme tir feu de wyverne qui est complètement, absolument craqué, et qui fait avec le réveil un malheur en fait. Et du coup, généralement, il y a toujours un petit plaisir. Un petit plaisir indé. Et du coup, moi je suis plus Puke Puke, Para 2 et Poison 2. Et guérison. Ah oui, c'est vrai que ça peut être intéressant. Du coup, tu as les munitions tranchantes aussi qui sont très intéressantes. Pourquoi elles sont intéressantes? Pas forcément pour le burst de dégâts qu'elles font, même si c'est extrêmement intéressant. C'est surtout parce que tu peux tirer un peu de n'importe où, et tant que la capsule touche, tant que la balle touche, bah, elle reste sur le monstre et après elle fait ses dégâts normaux, tu vois. Il n'y a pas besoin de trop t'éloigner ou quoi que ce soit, donc ça c'est cool. Donc voilà, moi j'aime bien ces petites choses. Bon, après il y a la munition des bons que je n'ai absolument jamais utilisée. La dragon que je n'ai jamais utilisée, la foudre que je n'ai jamais utilisée, je me suis toujours arrêté en mode paralysie, comme ça mes potes ils font le café. Surtout si t'as deux marteaux avec toi, généralement le stun suit s'ensuit, puis après un sommeil, puis après une autre paralysie, et après je switchais d'armes, l'avantage de ce jeu qui est absolument incroyable. Bref, du coup on va avancer, on va avancer, on va aller dans... accepter la quête. Une des quêtes. Alors, est-ce que le stream est suffisamment fluide chez vous? Je ne sais pas, je ne sais pas, je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Non, je veux que tu restes là-dessus. Pardon, excusez-moi, vous avez vu un petit Estrelian, c'était mon overlay pour Might and Magic Elemental Guardian. C'est vrai que j'ai pas trop joué ces derniers temps, j'ai un petit peu arrêté, bah, en même temps j'avais beaucoup de choses à faire. Et j'étais pas trop tenté, j'avais plus trop internet, etc. sur le portable, donc c'était un peu la galère. Et du coup, on va simplement accepter. Vous l'avez vu, vous le voyez tous ensemble. On va y aller en solo, puisque de toute façon, ça sert à rien. Il va y avoir des cinématiques, etc. Ah, je pensais pas qu'il serait là-dedans. Je vous trouve jamais dans les canaux vocaux. Vous êtes sur quel Discord d'MH? Alors, moi, je ne suis pas sur MHFR. Je ne suis plus sur MHFR. Et ça ne sert à rien de me chercher sur MHFR. J'ai quitté le stream. J'ai quitté, pas le stream, mais j'ai quitté ce serveur qui me cassait les couilles. Pour voilà, parce que j'en ai marre au bout d'un moment. Ah, le maître de la chance. Je vais vous monter un peu le son du jeu. Vous me dites si c'est trop fort pendant les fights, etc. Je compte sur vous. J'avais baissé un peu, mais normalement, là, le jeu devrait être plutôt pas mal. Putain, je lag, ma connexion c'est du passe-pied et mon réseau c'est le même niveau que les deux verres reliés via une ficelle. Alors, c'est peut-être faut attendre un petit peu que le transcodeur se mette en place. Alors, on va peut-être prendre le 7 tryhard. Est-ce qu'on prend le 7 tryhard? Oui, on va prendre le 7 tryhard. On va essayer de prendre quelques petites choses. Je vais essayer de me préparer un peu mieux que ça. Tac, 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 tac. J'ai pas de potion. Alors déjà, on va commencer par... Voilà, confirmer. Alors, je n'ai pas le RB, hein. Vous voyez que là, j'appuie sur mon RB, je le spam, hein, vous. Voilà, vous l'entendez un max. Mais ça ne fonctionne pas. J'ai quelques petits problèmes avec ce bouton. Il ne fonctionne plus du tout sur cette manette. Et l'autre manette que j'avais, à laquelle ça fonctionnait, a un problème de câble qui la déconnecte. Et c'était pour ça qu'en fait, pendant les streams, j'avais vraiment ma manette qui était en train de se déconnecter constamment et qui était un véritable enfer. Heureusement, là, il y a juste besoin de faire le stick à la Dark Souls. Donc ça, normalement, je suis un petit peu habitué. Ah, mais il y a un Scar à grappin ici. Je savais même pas qu'il y avait une sortie ici. Waouh! Du coup, je cours plus avec le bouton alors que je me suis dit qu'il fallait que je m'habitue à courir avec le bouton. Voilà. Voilà ma vie actuelle commencée. Parce que généralement on est un peu plus stable pour faire les Superman Jump. Mais du coup je pense que je serai plus stable si ma manette arrête de se déconnecter en plein fight. Donc du coup j'ai fait le choix, comme Leslie,
J'ai fait le choix de la solidarité. Non, je sais pas ce que je dis. Je raconte des choses n'importe quoi, des vieux souvenirs qui remontent d'une enfance traumatisée par une chanteuse ignoble. Le mec, il te met direct dans l'ambiance, hein. Waouh. Alors, je vais prendre un petit peu de points. Et bienvenue sur ce stream de Farming Simulator. De toute façon, je vous ai habitué à des streams à 4h du matin où on est en train de chasser des Pokémon. Et pas des Pokémon dans le Pokémon, parce que ça serait intéressant. Ça serait le vrai jeu. Non, non, des Pokémon dans Monster Hunter. D'ailleurs, j'ai eu mon premier Shiny, au fait. Et là, il trouve un camp. Non, mais c'est complètement ça. Il y a, je crois, 3 ou 4 camps ici. J'en ai déjà trouvé 2, je crois. Oui, j'ai celui qui est ici. Et j'en ai un autre qui est ici, mais qui attend d'être construit, simplement. Donc du coup, et je dois en avoir un vers le haut, peut-être plus haut. Allez, plus haut. Allez, plus haut. J'ai pas pris de boisson fraîche. Attendez, si, il y a des champignons. Il y a des champignons ici, normalement. Je crois. Non, c'est pas du tout ici. Alors c'est des champignons nitro, mais il n'y a pas de champignons. Rigolo, les champignons nitro, ils sont en train de cuire. Je voudrais des champignons cool, s'il vous plaît. Et ben on est parti pour un magnifique. Attendez, parce que ça se trouve il y a une cinématique. Mais s'il y a la cinématique, ça veut dire que je vais l'affronter. Et tête de, hein, voilà. C'est aussi les chanteuses d'une. Ça aussi, c'est le séquel d'une chanteuse qui devrait arrêter. Ah, bah, ça, là, on juge, hein. Mais là, on juge beaucoup. C'est un stream qui juge. En plus, j'avais dit, ouais, je vais me stuffer mieux, etc. Et au final, j'ai rien pris du tout. Allez, on va prendre ça. Attends. Prendre ça quand même, on va se respecter. Après, de toute façon, là, je vais fight des dragons anciens, donc les pièges, ils vont me servir à rien. Boisson fraîche, on prend la max. On prend totalement la max. Et pourquoi, Google, tu fermes pas ta gueule? Parce que franchement, là je suis sur mon portable en mode tranquille. Est-ce que j'ai dit une seule fois le mot magique pour appeler cette merde? Non, je n'ai même pas prononcé le nom de cette cochonnerie. Et pourtant, j'ai mon assistant nul qui s'ouvre alors que j'ai vous. Et c'est plus intéressant d'avoir vous que un. Hein? Voilà, j'ai failli dire son nom. Et il a failli s'ouvrir, je suis sûr. Ce que t'appelles les shiny, c'est genre les lapins violets. Oui, c'est ça. C'est les lapins qui sont de type rare et où on te dit, ah, oh, tu as trouvé machin. Ah, ils sont plutôt rares, etc. Voilà. Du coup, c'était mon premier shiny. Petite glissade sur le cul. En fait, on est un grand enfant. Hein. Bientôt, on va voir une cape de boue et on va y aller. Oui, bah ça va, boîte à poisson fraîche là. Ah. Petit placement de produit Coca-Cola. Waouh, j'ai jamais été ici. Attendez, il y a du minerai. Toi, tu vois ça. Tu vois une grotte à l'intérieur de la lave. T'es en mode, waouh, ça fait un peu comme dans Les Indestructibles avec la base du méchant. Où le mec, il a un mur de lave. Et c'est sa porte d'entrée. Et d'un coup, il fait... Attendez, il y a du minerai. Eh, il n'y a pas de petit profit, hein. Oh là là, par contre, c'est stylé as fuck. Oh, tu dois avoir tellement chaud. Heureusement qu'on n'est plus en été, hein. Enfin, qu'on n'est plus dans la canicule, là. T'en trouves partout des chenilles? Mais oui, il y en a partout. Eh, je suis pas en Clodogaron, je suis en Nodogaron plus, alors on va se calmer un peu la nouille. Donc je l'ai farmé avant même que j'ai le contrat en libre. Donc moi je peux te dire que je suis un vrai qui a farmé ça en expédition. Et l'armure elle est montée level max. Donc le Clodogaron, dans ton in the ass, hein. Do you know your ass? Bon par contre, on se tait. Hé hey frère, pourquoi tu viens sur mon territoire? Je vais te baiser! Vas-y, il y a le McDo qui est en face. Laisse-moi passer, wesh. Eh hey, mais t'es une raclure. Qu'est-ce que tu fais?
Avance pas, mec. C'est mon McDo. À la limite, si tu me payes un petit croque McDo là. Eh hey mais mec, je vais me faire un plaisir de faire un barbecue avec ton cul. Ouh là là. Et là tu comprends pourquoi t'avais besoin d'une boisson fraîche. Allez, t'es ma bitch. Tiens, t'inquiète pas que je vais même pas te payer ton croque McDo. Par contre, t'as pas 10 euros? Besoin d'un petit Big Mac là? Et oui, c'est ça le vrai Hunters. Le vrai Hunters, en fait, il parie des McDo, des muffins au chocolat. Je peux pas prendre ce monstre au sérieux parce qu'il a une peluche trop kawaii. Allez. Oula oula, calme-toi. Oula, il est enflammé là. Ouh là là. Ouf, ce balai aérien a été remporté par mon ami Théostra. Ce programme vous est offert par TF1. Tiens! Ah non mais tu triches! Mais il triche en fait. Oh putain. Aïe! Mais il bonque! Papa tu triches? Oui mais j'ai droit. Ah, il m'a stun. Oups! Adieu, man. Eh, mais frère, je rigole, vas-y, détends-toi. Tu te capes du gardien, hein. Au secours. Oula! Ouh! Oulala! Ouh! Oulala! C'est ouf! Hein? Dis donc! C'est pas comme si j'avais eu très très chaud au cul là actuellement! Ouais, c'est bon. Normalement, je peux. Ah, ça, par contre, ça fait un peu laguer, hein, monsieur. Je tenais à vous le dire. Vous me faites laguer. Wouah! Il est trop stylé. Oh! Supernova! Dans mon boule. Ah, il s'en va. Ouais, c'est ça, enfuis-toi. C'est pas comme si j'avais besoin de me soigner aussi. Bon, la manette, ça a l'air d'aller. Je commence un peu à m'y faire, mais j'aurais bien aimé
Ça va être un peu compliqué juste pour le menuing, je pense. Il a bien changé Simba. Ah oui, non mais voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas un simple menu, c'est un bus de Bilari. Franchement, cette blague est complètement goldée et validée, Skytus. Franchement, là, c'est vrai que... Là, le monstre, c'est... Je me transforme en Harry Potter. Hein. Peut-être me mettre une potion de défense dans le fion. Allez, on va se dire que... C'est bon. J'ai eu très très peur d'une chose qui n'est pas arrivée. L'insecte a toute épreuve. Ah mais ça pique! Mais c'est chaud! Aïe! Ah mais c'est... Aïe! Ah mais la lave ça brûle! On m'avait pas dit ça! Merci Captain Obvious. Alors c'est sur les ailes? Non bah c'est pas sur les ailes. Ah bah voilà. Hop! La petite pastille dans le cul. Aïe 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 aïe. Ah ah. Alors attendez, est-ce que la logique et Monster Hunter va encore arriver? Attention. Aïe 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 aïe. Ah ah. Ah là c'est la sensation de la plage. Au secours! C'est bon. Ah bah non. C'est bon, je suis sauvé. Blah. Au secours, Capella! La gourmandise est un vilain défaut. Comme le blanc manger coco. Allez! T'as cru que j'allais à gauche et en fait non, j'allais à droite. Je suis tellement fort. Framerate sur 20? Ah, tant que ça. Allez, on va casser la tête. Vous en faites pas, hein. Les petits lags que vous avez, je les ai aussi. Mais c'est parce que j'ai réactivé Big Pictures, donc... Au secours! Tiens, tiens, je te bolosse avec mon insecte! Qui a dit qu'on pouvait pas jouer artilleur? Ah mon dieu, ça lag. Ça lag verte! C'est bon, vas-y, tu peux revenir. Wouah! C'était intense, hein? Bon, pour l'instant, le fight se passe plutôt bien pour moi. Je dois bien avouer, j'ai plus de poissons fraîches. Je vous avais dit que j'étais un monstre avec cette arme. Finalement,
Est-ce que les monstres sont pas des vieux chasseurs et moi, je suis leur vrai prédateur? C'est moi le chasseur vient de te dire que tu sais pas toucher le monstre. Mais non, il vient de dire chaque coup que tu poses sur le monstre, ça en dit long sur toi. Ah! Vous croyez que c'était un taunt? Le chasseur connard qui te démoralise pendant ta chasse, t'es vraiment nul, hein. Je pense que Vasiltéostra, tu sais, t'arrives au camp, et là d'un coup tu le vois avec un t-shirt avec un écrit Vasiltéostra, Théostra président. Tu vois même l'assistante avec ce t-shirt, et elle fait mais non, mais il allait bien. Oh merde, faut pas que je rigole. Oh, ça pue, ça pue. Vous sentez que ça pue? Ça sent le soufre là, non? Mais on s'en fout de ça, je veux le... Mais c'est pas là? Ah non, ça se trouve, c'est les... Merci. Alors, cette arme, hein, c'est faite pour les fillettes? Tiens, 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 salague, salague verte, au secours! Allez, c'est bon. C'est devenu mon animal de compagnie. Vous en rêviez, je l'ai fait. Bon, Philippe, t'arrêtes? T'es chiant, hein? Tiens, 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 et boum! Est-ce que je lui ai pété la tête à votre avis? Non, je pense pas encore. J'ai mal, j'étais gourmand. Ce jeu, c'est un peu comme Dark Souls. Finalement, c'est Dark Souls avec des gros monstres. Alors ceux qui n'ont pas été sur les sur Twitter le jour de la sortie PS4 de merde, j'ai utilisé une poudre vie au lieu d'une méga potion de la sortie Twitter de Monster Hunter World ne peuvent pas forcément comprendre, mais c'est juste que en gros, bah, comme du coup le jeu a fait beaucoup de bruit et que de toute façon il était tellement magnifique que les gens avaient envie de le streamer et du coup il y a bien évidemment des joueurs de Dark Souls qui sont arrivés sur le jeu et qui ont fait non mais c'est quoi ce jeu? C'est Dark Souls avec des gros monstres quoi. Dans leur innocence on va dire. Des capsules draconiques. Même si normalement j'en ai pas forcément besoin puisque j'ai l'arnergie. Je sais pas si les capsules d'eau, enfin les trucs d'eau, les mousses aquatiques elles servent vraiment à quelque chose. Par contre j'ai pas de bouffe. J'ai rien du tout. J'ai pas un seul steak. Écoutez, on va prendre les mousses aquatiques parce que j'ai vu dans le chat qu'il y en a qui étaient choqués d'avoir des mousses aquatiques. Par contre, c'est par où? Jack, c'est par où? Bon, bah, je suppose qu'il est retourné là-bas. Alors, par contre, si je n'ai plus de boissons fraîches pendant le fight, on est tous d'accord que je suis dans un immense caca. Le blanc manger coco est un méchant gâteau. Lave plus tonnerre et plus tonneux.
Plus de 2 explosifs égale nothing. Non mais ça c'est la logique Monster Hunter qui a encore frappé. Oh, il est en train de dormir, j'ai pas fait le plein. Alors attention, vous êtes prêts pour le... Allez, on va se respecter pour le plus frustrant de tous les réveils. Voilà. Merde, j'ai pas touché. Par contre, j'ai bien fait le fion. Hein. Je sais pas si le Théostra est faible au dragon. Oh là! Merci. Cool guy, donc l'autre explosion. Oh le steak! Vous l'avez vu comme moi? Merci la bénédiction. Merci la précommande. Qui donne une amulette complètement fumée. J'étais trop gourmand là. Trop gourmand sur le vol plané. Calme-toi, calme-toi. Oh, Houston! Oh, Houston! Ah, je vais me faire bolosser. Attention, je vais mourir dans 3, 2. Le mec utilise une poudre de vie alors qu'il pourrait. Il avait largement le temps d'utiliser une. Enfin, une, pas une poudre de vie, mais une potion des anciens. Oh, c'est bon, tu peux y aller. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Et en vrai, je peux le bolosser comme ça, hein. D'ailleurs, j'ai tué quelqu'un comme ça. J'ai même coupé une queue comme ça. Je veux le gris. Enfin, je veux le pas le gris, mais je veux le... Ah, merde. J'ai eu ma chance, mais... Merci. Je suis désolé, moi aussi, je bouffe ma race au niveau des FPS. Et oui! Et c'est le GG le plus absolu et j'ai... On sait pas, on pourrait avoir une petite surprise à la fin de la quête. Alors faut pas oublier que j'ai un steak normalement. Alors le steak on le voit en face. On le voit en face, c'est bon. Ah! Enfin! Incroyable! Non, arrête. C'est bon. Le steak il est ici, on l'a vu, on l'a tous vu. Petit steak. Et je vais casser la tête, je vais casser les ailes, je vais casser la queue. Enfin, je vais couper la queue. Est-ce que ça serait pas la plus grande victoire de l'amitié de ce stream? Eh oui. En vrai, alors attendez, je vais vous le montrer un petit peu quand même parce que faut pas abuser, hein, il fait quand même vachement plaisir. Il est magnifique, hein. En tout cas, c'est pas le monstre de MHO. MHO, c'est vrai qu'il était un peu dégueulasse. Et on sentait qu'il était fait un peu. Enfin, il était un peu pâlot. Enfin, pas pâlot, mais. Comment c'est pas grisâtre, comment on dit, un peu fade au niveau des.
Attends, c'est un joyau 3 ça? Non, je sais pas. Certificat du héros! Oh, deux joyaux. On va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble. Oui, prendre toutes les récompenses. Oui, tout prendre. Oui, identifier. Ça a l'air d'être deux fois la même chose. Pureté. Purification et anti-hémorragie. Bon, attends, anti-hémorragie. Je crois qu'il n'y a que le dogaron qui fait, qui a besoin de ça, donc c'est de la merde. Par contre, pureté, je sais pas ce que ça fait. Donc on va voir. Ah, nouvelle cinématique ajoutée à la galerie. Bien sûr. Et d'ailleurs, je pense que comme j'ai fait la cinématique du prochain monstre que nous allons affronter, je vais peut-être essayer d'ailleurs de baisser un peu les graphismes, je sais pas. Est-ce qu'on essaye de toucher à quelque chose? C'est où? C'est dans l'affichage, bien sûr. Manuel! Le feuillage, on va garder les feuillages quand même. Écoutez, on va essayer de faire ça. Ah non, c'est dégueulasse. Ah, je le vois, c'est dégueulasse, c'est immonde. Ah non, arrête. Arrête, on remet comme c'était. Allez, on remet comme c'était, vite, 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 vite. C'était où? Feuillage anti-aliasing, on va remettre l'anté à 1, parce que c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Bon, à part normalement, il devrait plus y avoir. Attendance, requête complétée. On n'oublie pas, hein. On n'oublie surtout pas d'aller faire les petites bricoles du début, hein. Ah, je sais pas si elle est dans le jeu, hein. Encore 3 de croissance plus. Comment ça, je suis en train de farmer l'argent, c'est pas vrai. Vous montez tous. C'est pas vrai que j'ai 300 mandragore et 300 fléaux du diable. Et que j'arrive pas à déstocker. Ouh, le chasseur du coup qui est en mode GG mon gars, t'as tué mon ennemi, juré. Allez. Bon travail. Merci. Chapeau bas, dominer un Théostra est un véritable tour de force. Aujourd'hui, tu fais partie des plus grands chasseurs. Et c'est un honneur pour moi de te connaître. Incroyable. Oh, chasseur Sama. Nous, les chasseurs, devons respecter nos égaux et nos rivaux. C'est l'esprit de compétition qui nous fait rayonner. Je te remercie. Oh, il me remercie. Les bosses sur mon armure me renvoient au passé, mais une étoile comme toi me guidera vers le futur. Oh, arrêtez. Oh, je sais que je suis bon. Arrêtez. Bah oui, parce que faut pas oublier un truc, c'est que la commission, elle a envoyé que des chasseurs d'élite. C'est quand il se passe ce qui se passe à un certain palais, il y a bien le commandant qui dit, vous avez tous affronté des dragons anciens. Vous savez tous ce que ça représente, un dragon ancien. Du coup, il est en mode, mais oui, mais en fait, on est full bogos, quoi. Des bisous à toi, Tifou. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est accepter le Valazak, machin, faucheur de l'ombre. Ah oui, c'était ça. C'était, est-ce que la galerie... comment ça se passe au niveau de la galerie? Compendium, peut-être? Où est-ce que ça se passe, cette chose? Bah non. Peut-être dans le compendium, hein. Je sais pas. Guide du combat, non. Non, ça c'est le bestiaire, la carte. Bon, bah ça c'est les cartes classiques. Non, ça a pas l'air d'être... Ah, peut-être dans la chambre. Peut-être dans la... Attendez, parce qu'il y a la chambre qui est accessible ici. Hop. Menu principal, galerie. Ah, faut que je sorte du jeu. D'accord, bah écoutez, on va faire quand même retour à l'écran titre. Oui, je veux sauvegarder, oui. On va sauvegarder vite fait, voilà, on va changer ça. Par contre, j'ai l'impression que d'avoir remis Big Pictures, ça... Ça... Attendez, je vais switcher une petite chose sur... je vais redésactiver Big Pictures. Je pensais que c'était Big Pictures qui était en train de me faire planter ma manette, mais finalement, c'est pas ça. Et là, il est en train de me faire planter un petit peu le stream aussi.
est un peu trop gourmand à mon goût. Donc je vous remets en truc d'attente, je referme le jeu vite fait, je le redémarre. J'arrive, hein, vous en faites pas. Voilà, Steam, paramètres. Alors c'est dans bah, Manette, je crois. Configuration Big Pictures, non c'est pas ça. Paramètres généraux de la manette peut-être? Non plus, c'est pas ça. C'est dans quoi? Dans un jeu, c'est ça. Utiliser l'overlay Big Pictures. Je m'en bats la race de Big Pictures. Big Pictures est en train de me faire chier. Voilà, c'est dit, c'est comme ça. Paramètres. Ça, je crois que je vais devoir. En very fast. Ah, peut-être que je passe en. Alors, est-ce que le stream est toujours présent? Je sais pas. Oui, le stream. Oh, là, ça fait un gros coup de lag. Ça doit être normal. C'est parce que j'ai changé une petite chose. Deux instants, ça va arriver. Mais de toute façon, vous le voyez pas parce que moi, je vois que j'ai perdu des frames. Mais vous, vous le voyez pas. Donc, parce que du coup, vous étiez sur une image comme ça. Voilà. Donc, on peut relancer tranquillement Steam. Enfin, pas. Je vais peut-être relancer Steam, effectivement. Pour bien qu'ils prennent en compte. Voilà, on relance Steam, y a pas de soucis. Bon, ce combat contre le Théostra, comment vous m'avez trouvé avec cette arme que je viens de créer hier en fait? J'y ai joué que hier. Bon, j'y ai joué beaucoup de temps parce que j'étais en train de regarder le rush BFA de Zerator en même temps, j'étais en train de farmer avec les copains, etc. Du coup, vous m'avez trouvé comment? Eh, plutôt stylé, hein? Est-ce que j'étais trop dans les airs? Est-ce que c'était dégueulasse? Bon, et même si on pouvait pas trop profiter parce qu'il y avait beaucoup de pertes de frame, mais. Ça va, non? Oui, bon, 75% sur les jeux que j'ai déjà. Bravo. Voulez-vous redémarrer? Oui, non, mais oui, ça c'est. Mais en fait, le truc, c'est que. C'est malheureux à dire, mais le portage est pas une énorme réussite. Le jeu est excellent. Il y a eu plein de soucis au niveau de l'optimisation des frames. Vous voyez que je stream en 30 fps. Je suis obligé d'être en 30 fps. Malgré que j'ai une 970 qui fait tourner le 60 fps chez mes autres potes. Mais. Alors, du coup, on m'a dit galerie. Voilà, ici. Ah, bah attendez. Est-ce que. Oui, je veux voir la galerie de ce personnage-là. Bien sûr. Je vous remets. Vous en faites pas. Je vous remets là. On va tous se voir ensemble. Voilà, on a tout le truc. Donc ne regardez pas trop. Voilà. On va regarder ce monstre particulier puisque ça va être notre prochaine cible. Alors ce monstre, ça a été un rage quit des plus absolus. C'était vraiment affreux. Je vous laisse la cinématique. Eh vas-y frère, t'as pas une clope. Eh vas-y, t'as pas 10 balles. Eh mec frère, vas-y, fais pas ton raccro. Bonjour, je vais prendre 2 minutes de ton temps. C'est pour faire une petite signature. Est-ce que tu connais l'association? Non, non, tout mais pas ça, non, j'ai pas de temps. Incroyable, n'est-ce pas? Ah, c'est génial. Non, c'est bon, je n'ai plus besoin de voir la galerie. Alors,
Petit détail par contre qui me touche et qui me fait très plaisir, hein. À chaque fois que vous revenez sur le jeu, l'écran titre, donc cet écran-là qui est derrière, change en fonction, enfin change aléatoirement en fonction de ce que vous avez débloqué. Et ça, c'est quelque chose qui me... C'est les petits détails qui me font tomber amoureux, quoi. Voilà, session en ligne. C'est un ventilateur Dyson. Il n'a pas de pales! Mon dieu! Il n'a pas de perte d'aspiration de boyau. Ah oui, du coup, faut que je mette à jour le bestiaire. Ah, ça va un petit peu mieux, j'ai l'impression. Je sais pas pour vous. Mais Big Picture, c'est bien de la merde, hein. Hop, petit Théostra. Parfait. Du coup, on va pouvoir aller accepter cette quête et partir instantanément. Je vérifie juste rapidement, voilà. Hop, 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 hop. Et on y retourne. Ce jeu me fait vibrer, c'est incroyable. On va y aller en solo. C'est pas contre les copains, mais j'ai envie de le tatader en solo. Oh là là. Du coup, vous avez vu la cinématique. Vous voyez, c'est même pas sûr. On va chercher une chimère. C'est tellement ça. J'adore. Ah, le rigolage, hein. On s'amuse beaucoup sur ce. J'ai oublié de prendre quelque chose que je sais que je vais avoir besoin. En masse. J'ai oublié de prendre quelque chose que j'ai dans mon coffre. Et vous savez ce que c'est? J'ai faim, je me fais un sandwich et je reviens. Eh ben, dépêche-toi! Fais-toi un sandwich devant le stream! Alors, bonjour! Ici, Maïté, nous avons envie de craquer pour aller chercher une tacos ce soir. Alors, vous prenez 10 balles, vous allez au Royal Burger et vous dites: Hé, hey, chef, mets-moi un bal de frites! Voilà. Je sais pas si je vais avoir re la cinématique ou pas du tout, je pense pas. En vrai, alors attendez, est-ce que faut que je repère où est-ce que c'était? Touk 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 touk. C'est pas ici? Ah, il me semblait. D'ailleurs, faudrait que je vous pose une question. Non, c'est un peu plus loin. Ah, c'est ici. D'accord, on est d'accord que c'est complètement pas un Dalamadur, ce crâne-là, là. With my blood. La tête, ok. Les ailes, ok. Ça doit être les pattes, du coup. Voilà, c'est les pattes, ok. Aïe. Ah, ça y est, ça commence. Allez, boum! Tiens, prends ça. Boum, 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 bim, bam, boum. Ils sont cool! Bim, badi, bim, bim, bada, bim, bada, boum.
Voilà. Je me repose, forcément. Je me repose 2 minutes. Ok, ça c'est cool. C'est plus facile à voir. Enfin, c'est plus difficile à voir. Voilà. Ok. Oh, c'est quoi ce player là? What to play, fakers? Il a 20 ans, on se casse vite, on se casse. C'est bon. Je vais me le prendre. Ouh là là. Non, non, ça passe pas devant. Alors, on a pris un maximum de plaisir ici. Hein. C'était très très chaud. C'était extrêmement chaud et franchement, c'était plutôt stylé ce laser qui s'arrête pile devant mes pieds. Toi, tu m'as saoulé. On peut choper des. Tiens, tiens. Mais je. Tabasse-le, vas-y. Tiens. Non mais... Bon, moi j'ai le buff défense, ça c'est déjà fait. Non mais arrête! Finalement c'est plus facile de choper le buff défense sur eux. Je dis ça et je me louvre comme un caca humain. Ouais, ouais bah ça va hein. Ça pue là. Ça pue très fort, voilà. C'est, je vous le dis. Pas une livraison de Vita Gap là. Boost. Post, 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 post. Mène-toi, mène-toi. Hop là. Je suis sûr qu'il y a un truc avec ça là. Aïe, aïe, aïe. Je rigolais. Il se viande comme une comme un caca. Ah ça se trouve j'ai esquivé une grosse attaque de ouf. Je m'en suis même pas rendu compte. Incroyable n'est-ce pas? Oh là là, c'est tellement fat en vrai. D'avoir un. Oula, c'est esquivable ça. Il s'est barré. Il s'est complètement barré. On va se casser de là parce que bon. On va se casser de là quand même. Oula, le petit freeze qui va bien. On va bien sûr aiguiser, comme ça on aura l'aiguiller. Enfin, le. Parce qu'avec mon armure Clodo Garon, hein? La fameuse armure Clodo Garon. Rhododendron sinon.
On a un gros buff qui permet que quand tu... Je sais pas pourquoi ça met ça plus. Ah, il est bien inspiré, il est bien plein de miasmes. Je pensais que ça avait touché la tête là. Mais t'es à moitié mort! Vivant! Ouh, il m'a quand même touché avec l'aile. Incroyable. Pas que je sois trop gourmand dans les airs. Oh 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 oh! J'ai craqué. Allez. En chair. Oula, je crois que j'ai pété quelque chose, oui. Il dort, il dort, il dort, il dort, il dort. On va se calmer 2 minutes. On a demandé une livraison de Vitagep. On va se mettre une petite peau de pierre. On va se mettre une petite méga bombe baril pour se faire plaisir, hein, c'est Noël. Petite peau de démon. Et boum! Bonjour, bon réveil. Bon réveil à tous, ici le morning live. De 8h à 9h. Voilà. Eh! Finalement, ça se passe plutôt bien. Maintenant que j'ai un insectoglaive complètement fumé. Bon, par contre, effectivement, je vous l'accorde, là j'ai passé un peu trop de temps en l'air. En même temps, je me sens safe en l'air. C'est un peu le... Il y a beaucoup d'esquives, on bouge énormément. Du coup, c'est assez plaisant, je dois bien vous avouer. De faire un 360 degrés avec nos... Oh, bah merde. Oh là, vous le sentez? Vous le sentez le plan cul, là? Non, c'est bon. J'ai fait en arrière, tant pis. Parfait ça. Ça sent le laser, ça. Même pas. Je trouve, je me rends même pas compte d'une mécanique que je suis en train de baiser au boss parce que j'ai le saut des anciens. C'est vrai que j'ai pas bourré la queue, hein. Et oui, la technique de je te baise, très bien connue dans le monde du porno. Non, c'est surtout parce que... Oula. Aïe, la gourmandise est un vilain défaut. Toujours, hein, toujours ce système et ce problème de blanc manger coco. Vas-y,
Et moi une petite. Non, il allait pas de plaine. Non, c'est bon. Ah, ça se trouve, c'est ça, c'est que je lui enlève son miasme avec. Ça se trouve, c'est ça, c'est que c'est pour ça que je me fais pas bolosser. Voilà, il vient de leur mettre son miasme. Ah oui, mais déco. Ouais, ça se trouve, c'est ça. Papa, tu triches? Oui, mais j'ai le droit. Parce que là, franchement, c'est de la triche. Hein. Allez, hop, on s'en fout. La vie max. Oula, peut-être pas là-dedans quand même, on va éviter. Ok, il est bientôt mort. On le voit à la tête de mort. Sur le chat. Enfin, pas sur le chat, sur le chat. Et oui, en le Durs en direct de Twitch. Aïe aïe aïe. En vrai, il me faudrait des viandes d'Astera. Je sais pas si. Si j'en ai encore ou autre. Petite baissoin. Non, je l'ai déjà prise. Écoutez, on va juste attendre un petit peu le temps qu'il s'endorme. Est-ce qu'il va s'endormir? Non, il ne s'endort pas du tout. En même temps, est-ce qu'un mort-vivant a vraiment besoin de s'endormir? En tout cas, il est grave stylé comme monstre. C'est la première fois qu'on voit un monstre comme ça, il me semble. N'hésitez pas à me dire si je fais une grosse connerie. Allez, je suis dessus. Vas-y, mon gars. Allez, la nuée de coups. Boum, boum, bim, bam, bim, bam, bim. Boum, bim, bam, boum. Oh, le 111. What the fuck? Oh, la tête est cassée, je crois. La gourmandise. Et voilà, je me prends le miasme. Ah, ça se trouve, c'est ça la fragilité. Je suis un fragile. Je suis un babtou. Ah, faut pas que je le fasse le dernier coup. Le dernier coup avec le... Faut juste que je me retire. C'est tout. La fameuse technique, hein, de se retirer au dernier moment. J'ai plus de besoin, si, ça y est. Je vais crever, là. J'ai même pas vu ce qu'il a fait, je vais crever. Allez, bim! Oh, l'assistante qui vient de...
de me congratulation. Alors, chef, alors, on a envoyé une machine de guerre sur le combat, sur le fight là. Il vous l'a déboîté. Non, mais attendez, on devait le ramener vivant. Alors, c'est pas trop possible actuellement. Et en plus, je voyais pas comment c'était possible. Actuellement, voilà, il se passe des choses. N'oubliez pas de prendre les écofax, hein, parce que c'est ce qui vous permet de voir les monstres, etc. sur la map. D'avoir un maximum d'informations et peut-être un peu plus de loot aussi. Peut-être ramasser quelques raffinos aussi, ça peut être sympa. Ça se trouve, il peut y avoir des. Genre des camps qui demandent des pots de raid qu'elle des trucs comme ça. Ah, c'est la première fois que je drop sur un Raffinos, sérieusement? Enfin, en HR, bien sûr. Bouh! Eh ben, tu m'as fait très peur, Darkas, voilà. Vous savez, il faut lui faire plaisir de temps en temps, parce que sinon. Ah! Et du coup, c'est. Attendez, parce qu'il faut que j'aille voir. Ah! Et du coup, j'ai encore eu une gemme. Allez, une mise à mort niveau 2. Mais c'est de la merde. La déception. Le mec, il regarde, il fait. Il regarde ses mains, il fait. Mais c'est de la merde. C'est du caca, ça sert à rien. Et là, il casse le joyau devant toi. Il fait, non, mais c'est du toc. Il est où, mon vrai diamant? Ah! Te voilà de retour! Je vois que ton investigation s'est bien déroulée! Tu as fait vraiment un travail remarquable sur le terrain. Je suis fier de toi. Et là, il me tapote l'épaule et il fait, t'es mon bro. Pour le moment, repose-toi, d'accord? Tu te chargeras des autres dragons anciens plus tard. Il y a quelque chose dont je voulais te parler. Alors, en fait, j'ai un bouton ici. Non, c'est pas ça. J'en ai discuté avec les érudits un bon nombre de fois. Nous ne savons toujours pas pourquoi les dragons anciens continuent à s'agiter malgré la mort du Nergigante. Oui, on sait pas ça. On sait qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça devrait se calmer puisque l'autre, c'est un connard. Voilà. Hein? La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Oh, c'est d'accord. Ce qui signifie que quelque chose d'extraordinaire en est la cause. Oula, il commence à me faire flipper. Mais même si nous ne savons pas de quoi il s'agit, pourquoi les dragons anciens se regroupent-ils dans la rivière éternelle au lieu de rester dispersés? Et bonjour à toi, Eriv. Eriv. Je pense que c'est comme ça qu'on se dit. Pourquoi y a-t-il quelque chose là-bas? Et si. Oui. Serait-ce que cherche mon ami depuis tout ce temps? Ah! Le dragonien qu'on a rencontré dans le désert qui était en mode Salut, viens, j'ai un camp par ici. Tu peux le squatter, frère. Tiens, un petit café. Eriev. Ok. Eliev, 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 avec un R roulé, comme ça, comme ça. Et du coup, là, on va devoir se faire chier un petit peu, puisque on va devoir aller faire des petites explorations. Mais avant, on va aller à la forge pour voir si on a débloqué quelques petites choses sympathiques. Tu peux toujours ripper en évier. Oh putain, j'avais pas compris. J'ai lu, mais sans lire. Comme tu veux, parfois, fais-toi plaisir. Eh ben, écoute, merci, Eliev, évier. On va éviter le évier, je pense. Si tu changes toutes les lettres, tu peux faire cuvette de chiottes. Quoi? Non, on va éviter de l'appeler cuvette de chiottes. Du coup, forger, améliorer, machin, machin. Est-ce que du coup, c'est ça? Non, c'est encore un monstre inconnu. Parce que, en fait, j'ai vu des griffes blanches, là, des espèces de griffes blanches, etc. Et du coup, ça, c'est juste du Rathalos, ok. Du coup, Yaku, ça c'est un monstre qu'on n'a toujours pas vu en électricité. Donc, bah écoutez, pourquoi pas. Ça c'est de la glace en Legaina. J'avais envie de faire des armes élémentaires, je me dis, avec le nombre de hits que je dois mettre. Ça doit être quand même pas mal rentable en vrai. Hein. Bon, la paralysie, elle me tente pas du tout. Ouh! Ah, c'est attaque contendante. Donc, ça veut dire que si vous mettez votre insecte sur la tête du monstre, vous pouvez le stun? Ah ouais! Ah, ça peut être rigolo! Tu prends un compte. Alors après, je sais pas si c'est vraiment très fort ou pas. 589, il a des stats plutôt moyennes, 589 avec 120 dragons, alors que j'ai actuellement 620. Ok. Après, peut-être que l'amélioration est largement meilleure, on sait pas. Là, actuellement, il y a encore plein d'inconnus.
Du coup, Anjanat 270 de feu. Alors ça me fait chier parce que en vrai, le quinsecte, enfin l'arme que. L'arme de du Rathalos est tellement stylée que j'étais un petit peu dégoûté de me dire ah ouais mais non bah finalement c'est pas celle-là la meilleure arme feu. Ah mais il y en a d'autres. Ah mais il y en a d'autres. Ah oui celle-là. Ah oui mais non. Oh tranchant blanc. C'est la première fois que je vois un tranchant blanc. Oh, par contre l'attaque laisse un peu à désirer quand même. Hein. Bonus vitesse, ok. Et là il n'y a pas d'autre feu. Hein. D'accord, donc c'est soit Anjanat, soit Rathalos Azur. Sachant que 180 ou 600. Ah oui, en plus il a plus de roues, il a juste moins de tranchants. Et après par contre c'est attaque contendante. Ouais mais il est tellement meilleur l'Anjanat. Comparé à le. Comparé au. Non, mais en fait je voudrais. Ouais mais l'Anjanat est tellement meilleur. C'est dommage, c'est dommage. Parce que. Alors voyons voir un petit peu la gueule qu'il a quand même, ce fameux Anjanat. Oh ça va. Ah c'est une grosse massue, hein. Les dégâts du supplémentaires du tranchant blanc compensent pas. Alors j'en ai absolument pas du tout la moindre idée. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire ceci. Ah! Le Théostra participe à l'arme d'Adogoma? Ok. Okay. Ah, c'était du. Ah! Du coup, je pourrais me faire celle-là aussi, avec le poison. Oh, je suis pas sûr que j'ai envie vraiment de poison. L'arme Valazak est assez stylée en vrai. Elle est un peu rigolote. Regardez-moi ça. T'as l'impression que t'as été dans le level putride, t'as pris n'importe quelle hausse sur le sol et t'as fait oh, vas-y, ça va passer. Ok. Et bah écoutez. Et bah je suis content. Il manque juste une gemme au dogarmo et je peux tout faire. C'est rigolo ça. Après, j'avoue que le bâton est très stylisé aussi. Très cool. Avec la pointe qui s'illumine, j'avais pas vu. Très cool. Bon, bref, on arrête de s'enjailler là-dessus. Et du coup, on va essayer de regarder un petit peu. Cette lame a l'air trop cool. En vrai, même si elle a moins de fire. Fire in the hole. Ouais, elle a beaucoup moins de fire. Enfin, elle a beaucoup plus de fire, pardon. Déjà. Bon, l'uragan, c'est mort. 390, 240. Ah oui, putain, la vache. Oh, mais les armes de Janat, elles ont un. Une roue? Ah, mais après, on pourrait se dire que. Ouais, mais non. Après, j'ai pas envie de jouer LS. Feu. Par contre, une petite arme. Une petite arme. Une petite morpho hache élémentaire, ça peut être assez cool en vrai. Tu peux faire tellement de dégâts, je pense. La Rathalos, c'est pas si folle, hein. Fiole élémentaire, dragon, ok. Ah non, mais là, Anjanat, va falloir le farmer pour le faire les armes feu, c'est n'importe quoi. Y a pas assez de mobs dans ce jeu. Ah oui, non, mais c'est. Bah, pour l'instant, ça va. Moi, je me fais plaisir, le temps de craft tout ce que t'as besoin de faire, etc. Déjà, ça dépend de ce que t'as envie. Si t'as envie juste de te faire une arme raw, et puis tu niques tout le monde, et puis voilà. Oui, effectivement, là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Tu risques de vite avoir fini, quoi. Mais après, si tu veux vraiment un petit peu optimiser ton stuff, etc., t'as les joyaux à farmer, etc. Donc, ça peut être sympa. Bon. Du coup, forêt ancienne, nous partons en chasse de, bah simplement, de d'écofact. Ah non, il faudrait que je fasse une, si, je sais, il faut que je fasse une chasse. Je vais aller faire une chasse, vous en faites pas. On va aller faire un petit Tobikadashi. Nouvelle quête. Ah, c'est trop bien de pouvoir lancer les quêtes n'importe où. Juste que ça soit dans la forêt en fait. Donc j'avais besoin d'un peu de Tobikadashi. Ça se trouve j'ai un contrat. Je m'en rappelle plus. Je croyais que j'avais un contrat. Alors j'ai un contrat. Il me semble que oui, j'ai un contrat. Non, je l'ai fini mon contrat. Bah écoutez, ça partira en libre. Alors, où est-ce qu'il est par contre?
Il est pas là. Hein. Il est pas là. What the fuck? J'ai pas du tout de... Oh! Ok. Bah écoutez, on va devoir retourner à Astera parce que je suis sûr et certain d'avoir vu des... retourne au QG. Attendez, on peut faire peut-être les Écofax qui sont juste à côté. Ou alors, bah, je tabasse un Tobi Kadashi vite fait, rapidement là. Je ne sais pas, on va voir. Ouh, ça lag un peu. Jizobito Kadhafi. Non mais what? C'est quoi ces noms? C'est quoi ces pseudos? Incroyable? Oh! Regardez-moi ce gros porc! Immonde. C'est absolument immonde. Alors attendez, parce que j'ai pas suffisamment. Merde. T'as vu, je pêche bien, hein. Pas un qui est caché dans le... dans la flotte là? Eh, je vous ai vu hein! Vous cheatez! Le cheat le plus absolu. Ça va, je te dérange pas pendant ta pêche? L'enfer sur Terre, le mec il arrive, il te nique tout, ta... tout ton plaisir. Tu vas devenir mon ami. C'est vrai, Darkas. Ah, Tobi Kadashi ont vu. Bah écoutez, on va lui régler son. Ah non, je voulais un de ces oiseaux! Parce que je l'ai trouvé beau! Non! Regardez comment ils sont beaux! Ils sont cool! Bon, bah au moins je sais comment faire pour trouver un Tobi Kadashi maintenant. Tu vas en 1 et tu grimpes. Ah, des vieilles empreintes. Ah mais j'avais quasiment fini, c'est ça. Voilà. C'est la patte avant, mais je suis pas sûr. Non, ça c'est. Mais je. Mais non, mais ça c'est la tête. Je vais le bourrer à coups de. C'est pas la patte avant. C'est quoi? Oh, il m'a saoulé. Eh ben écoute, tant pis pour toi, tu vas te faire bourrer. Peut-être sur le dos en fait, simplement. Je crois pas que tu vas pouvoir te cacher. Hein. Te casse pas. Hein. Ah, bien joué! Oui, moi je suis fair play avec. Oui, je l'ai eu! Il est où?
fait reposer. Allez, boum! On va s'occuper de cette jolie queue. Bien touffu. Hein? Alors, on est fatigué? Ah, j'adore l'insectoglaive, c'est tellement facile. Le pauvre. Pauvre Toby Kadashi. Il se fait bolosser. Je l'ai pas eu, c'est dommage. Attendez, je crois que j'ai loupé un petit truc avec le... Toby Kadashi, je vais un peu exploser la gueule, et du coup je crois qu'il avait fait tomber un petit objet, mais qu'il n'y a plus. Bah écoutez, tant pis. Hop, Toby Kadashi. Oh, il y a une TP qui est possible de faire? Non, si, oui, non mais bon, ça va, on va le choper quand même, on va le finir. Petite mousse aquatique. Ça se trouve il a s'électrocuté tout seul, si... Si je lui envoie de la mousse électronique, enfin de la mousse électronique, de la mousse d'eau, et que du coup il envoie de la mousse d'électricité statique, je vais baisser la résistance de son corps, et après il va se baiser lui-même. Eh, pas mal les dégâts. Tiens. On va essayer de pâter les griffes. Petit bête ça. Oh le poison. Eh bien écoutez, on va mettre toutes mes chances de notre côté. Ça se trouve il va crever avant que... Ah, ça fait plaisir. Oui, j'ai entendu un Pouké Pouké. Il est bizarre ce Pouké Pouké. Ça y est, le Toby Kadashi est mort. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Est-ce que j'ai pas une bombe boost là ? Est-ce que j'ai lui à offrir ? Tant qu'il me laisse. Qu'il arrête de m'emmerder. Un bourrage, hein ? Je pense que ouais, hein. On a un bourrage à lui offrir. Ah, quoique. Arrête ! Arrête, tu mens ! T'es un gamin. T'es un gamin. Putain, mais on dirait trois rings quoi. Putain. De faire semblant, mec. Il me refait la même phase, hein. Oui, vas-y, continue. Yes. Allez, salut. Espèce de naze. Regarde, j'ai récolté de l'air. Yes. Mim, mim. En vrai, tu m'as pas vu. T'es mauvais, Jack. Regardez ma strat absolue de la fuite.
Là, j'ai plus besoin. Je suis en expédition, genre. Bon, t'as fini de me chercher, connard? C'est bon? Mais il va finir par me trouver, ce gros con! Mais c'est un chien ou comment ça se passe? Non, ça y est, il a abandonné. Et du coup, on va au marché. Allez! Le caca dans les buissons, ça fonctionne toujours. Comme ça, c'est rapide. Petit caca dans les buissons. En plus, j'avais besoin des électrodes. Du coup, j'en ai eu deux. J'ai eu un petit peu d'os Arceros, c'est ça? Arceros. Voilà. La progression de l'investigation est finie. On fait ça rapidement. Bon, je vous ai offert un petit Obikadashi. Ça, c'est gratuit. C'est moi qui vous l'offre. Je vais aller boire un coup, je pense. Je vais chercher quelque chose à boire de frais. Je reviens. Je crois qu'on a assez de données sur la forêt ancienne. On passe aux archives écologiques? Me voilà. Bon, là. T'es de mauvais Jack. Ah, mais j'ai pas vu que c'était Sate, ça. Non, mais Sate, écoute. On n'est plus du même niveau, là. Je suis désolé, mec. Moi, là, je suis à un niveau tellement élevé. T'imagines même pas à quel point. Là, je first try tous mes monstres. C'est moi, j'attends les derniers monstres, là. Là, le jeu. C'est ça, le jeu, il est trop facile. C'est. De toute façon, c'est moins bien qu'un Dark Souls. Alors, j'adore Dark Souls, hein. Bisous. Ah! Couche à la Daora, ok. On va lui parler pour en savoir plus. Oui! Dragologie. Du coup, ah, c'est son petit-fils! En 40 ans? Attends, mais il a quel âge, le vieux? Il est venu avec sa femme chasseuse? En vrai, ça serait stylé! Bien. Ok. Fais attention! On est en train de. Déjà, et déjà, on va rejoindre nous dès que tu pourras. Ok. Bon, là, on part avec les gassures. Bah moi non plus, surtout pas dans une forêt en fait. Je pensais, mais genre vraiment, vraiment pas du tout en voir dans le nouveau monde. Au final, c'est une bonne surprise. Easy, easy le truc que tu dis, Darkest. Voilà. C'était bien. Donne-moi un morceau de ce monstre. Mais en fait, je l'ai déjà. Ah, mais tu triches? Oui, je suis venu faire un brin de causette. Et réclamer du sang pour le dieu du sang. Non, il me faut croissance là. Il me faut de la croissance en plus. Je vais peut-être éviter de faire ça en vrai. Non, je vais faire une dernière. Je vais vider complètement, puis après je vais enchaîner avec. Avec encore un petit peu de mandragore, etc. Et de fléau du diable. Bah là, je vais juste aller faire la quête tranquillement. J'ai plus de petites quêtes à côté. Et bien, c'est parti. Nous sommes en route vers le dernier des trois dragons anciens que nous devons faire.
pour enchaîner la suite. Nouvelle quête. Petite nouvelle quête. Alors par contre, je l'appréhende énormément. Alors, c'est une longue histoire de haine entre moi et le Kushala. C'est un monstre que je n'apprécie vraiment, vraiment pas du tout à combattre. Je le trouve absolument génialissime, je le trouve magnifique, je le trouve tout ce que tu veux. Mais alors par contre, c'est mon match-up. C'est vraiment un de mes match-up. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je l'ai vraiment... J'ai jamais vu aucun fight, j'ai jamais vu quoi que ce soit. Donc je sais pas comment ça va se passer. On m'a dit beaucoup de choses sur lui. Bonne chance. Merci, chef d'équipe. Ah non, pas lui. Oui, d'accord, elle, à la limite... Yes. Là, on a... En vrai, c'est cool parce que ça fait un peu sensation, petite équipe, etc. Ça aurait été bien de les voir un peu en PNJ, en mode vas-y, etc. Ça aurait été cool, mais bon, je pense qu'en vrai... Bon, il y a juste à suivre les lucioles, ça c'est cool. Hop là, petite herbe. Monsieur, vous faites un trafic d'herbe? Oui, mais c'est pour mes potions. Et voilà. Hein. On ramasse un peu tout ce qu'on peut. Je sais déjà où est-ce que t'es, Saligo. J'ai déjà pas mal exploré la zone. T'es dans l'arène, je suis sûr. T'es dans l'arène. Oh, des champis cool. Même pas. Cinématique. Je vous laisse. Oh non, ça annonce rien de bon. Oh la vache! Cette présentation est, je pense, l'une des présentations les plus charismatiques que j'ai vues. Eh ouais, t'es qu'une merde. Oh, ça c'est une grosse... pas trouvé le blanc. Est-ce que c'est les... Est-ce que c'est la tête? Non, 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 arrête, arrête. Je pensais qu'il allait flinch avec cette explosion. Ouh, ça sent... Oh putain, oh putain! Comme je l'ai dit, j'appréhende beaucoup le combat. Ah, cette musique! Ah, il me met en respect. Hein. Il me met complètement en respect. C'est pas le Théostra. Hein. Le Théostra. Non, ça par contre c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Ok.
Ok, par contre, il peut y avoir qu'une seule. Non. Allez, on recharge. Ok, je suis dessus. Oh là, la concentration, je vous dis pas. Je dis même plus un mot, tellement je suis concentré. Essaye de lui enchaîner. Ok, la nuée de coups sur la tête, c'est parfait. On sait tous très bien qu'il kiffe pas ça, la tête. Ok, cool. Essaye de faire régène la stamina du mon insecte. Ok. Oh, le fight. Ah, les petites tornades, hein. Je sens que ça en a fait rager plus d'un. Mais non, mais Google Chrome, ta gueule. Et voilà, du coup, si quelqu'un a dit quelque chose, je ne l'ai pas vu. Donc répétez ce que vous avez dit, n'hésitez surtout pas. Oh là là, la prestance du monstre. Gourmand, ça. Ah, il va partir en haut. Le petit vent de... Salaa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 
C'est vrai que j'aurais pu venir avec une petite arme empoisonnée, je sais pas si c'est toujours le cas. Moi je bois, hein. Tranquille, moi je prends mes distances avec le monstre. Hein. Je vous ai prévenu, c'est un peu Banemesis. Allez, me dites plus jamais qu'affûtage rapide ça sert à rien. Je me suis jeté sur lui, c'était incroyable. C'était génial. Et j'ai encore putain de... de Google qui nous fait chier. Je vais tarder à monter dessus, je pense. Attention. Ok, je suis dessus. Est-ce que j'ai brisé la tête? Je suis pas sûr. La petite roulade sur le dos. On est bien. On fait encore le petit coup. La nuée de coups. Allez, vas-y. Boum, boum, bim, bam, bim, badaboum. Ils sont cool, les dragons anciens. Putain, oh, c'est tellement cool. Oui, je tolérerai aucune imprudence, ça va, je suis tout seul. Hein. On va se calmer. Est-ce que... petit bâtard. Voilà. C'était juste pour le plaisir de faire ça. C'est bon, j'ai un petit objet couche là. Mais oui. En vrai, est-ce que je ferai pas comme d'habitude et j'ai une gemme sur le monstre? Parce que normalement, c'est... la réputation, c'est de one gem and... One gem par hunt. Une gem par hunt. C'est ma première hunt me donne toujours une gem. Je cherchais un bon anglais mais j'ai pas trouvé, c'était ridicule. Allez. Les ailes, c'est chelou. Et c'est pas rigolo. Faire un gros bonk. C'est où? Voilà. Oh, je me le suis pris aussi. Quoi? Monsieur. Vas-y, tue-le. La gourmandise, mais la gourmandise de ce coup. J'ai toujours envie de faire le troisième hit alors que je sais très bien que le c'est un frame trap. C'est un combo qui est fait que pour être mis. Oh, mais monsieur est en train de boiter! Eh, tu t'en vas pas comme ça? Eh, ce soir tu rentres pas! Merde, il est rentré. Bon, je revois le chat, hein, ça y est. Je sais pas si mon chat fonctionne, si il doit fonctionner. C'est juste que les gens sont en train de farmer tranquillement sur le jeu aussi. En même temps, en train d'apprécier. Ça, je vois qu'il y a beaucoup de monde quand même. Ça fait plaisir, ça fait zizir la famille. Attends, je fais un petit test. Si le chat écrit fonctionne, voilà, on va aller au camp 8.
Ah, Zelda Hunter, bonjour à toi, comment ça va? Il fonctionne, c'est juste que tout le monde est occupé à farmer le jeu. Eh oui. Non, parce que juste à cause de ce putain de service d'assistant de merde Android qui se déclenche, je ne sais même pas pourquoi. Qui des fois ne fonctionne même plus du tout. Ah, il est en train de dormir le petit bâtard. Un petit bâtard. Non, tu sais qui va prendre ça? Bah oui, c'est toi. J'ai activé un peu trop tôt, non? Oui. Pas un grappin là, ici? Nope. Ah bah ça va impec, hein. Moi je kiffe la vibes avec le jeu, même si ça lag un petit peu, ça lag verte. Meilleure idée du jeu ça, l'escarre à grappin. Vraiment the best quoi. Et du coup je suis en train de finaliser ma, comme tu le vois dans, comme tu l'as sûrement vu dans le titre. L'aventure, bon, c'est juste le mot d'histoire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et que le jeu n'est pas du tout fini à ce moment-là. Aïe, 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 aïe. Pas eu? Non, j'ai pas eu. Là, je l'ai eu. Ah, saloperie. Je me fais avoir! Ouh, c'est pas passé loin, ça. Ce combat aérien. Oh là, ça pue le one shot, ça pue le one shot. Ça pue le combo qui fait mal, ça pue le combo qui fait mal, ça pue. Mon match-up. C'est bon. Ouh, le HP. Le mono HP, le mono HP, le mono HP, le mono HP. C'est l'apocalypse dans cette arène. Et je sais même pas comment faire pour bouger. Je suis coincé. Je suis coincé. Non, c'est bon. On va le tuer comme ça, hein. Vas-y, piou piou. Défonce-le. Moins 5. Technique de lâche ultime. Si je le tue alors qu'il est en train de faire ça, c'est affreux. Merde, j'ai rappelé piou piou. Oui, parce qu'il n'y avait plus trop d'endurance. Par contre, il est où le monstre? Secours! Ah mais je rigolais en fait, je voulais pas te tuer comme ça. Je te respecte énormément. Arrête! Oh là là, oh là, ça y est, ça commence. Wouhou! C'est pas passé loin ça. Tiens. Tiens, prends ça dans la patoune. Ah, je peux pas frapper. Bizarre. C'est l'apocalypse. J'ai deux frames ennemis. Il y a 40 tornades. J'ai. Eh bien.
Oh oui. Oh, le meilleur de tous les pupiou, hein. La gourmandise est un vilain défaut. Ça passe à chaque fois très très proche, hein. Alors là, par contre, je commence à être un petit peu embêté parce que à gauche, vous voyez une tornade, à droite, il y a une tornade, en face, il y a une tornade, et entre les deux, il y a une tornade. Je sais même pas comment je fais pour rester encore un minimum. Alors, mon Dieu, les morceaux. Oulala. De défense, ça fait du bien. Ok, celui-là est cool. Aïe! Oh non, je vais me prendre la tornade. Ça va, le jeu il est suffisamment gentil en vrai pour. Oh, je l'ai tué! Je l'ai tué à coup d'insecte! Oui, c'est mon tout premier combat contre le Kushala. Et ça doit se voir. Oh! Eh, le meilleur des 15 sectes. Hein. C'est celui-là, et il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est la peluche. Vive la peluche. Faut lui donner. Faut lui donner un nom. Faut lui donner un nom, parce que là franchement, il a fait. C'est un guerrier. C'est Loubou. Je vais l'appeler Loubou. C'est un peu mignon, tu vois, t'as l'impression que c'est mignon, mais en fait, quand tu connais la provenance de son nom, tu comprends pourquoi. Putain, mais c'est totalement Loubou, quoi. Il fait des explosions et tout. Ah putain, mais Loubou, quoi. Bravo. Mais mon Dieu. Ah oui, non, mais là... Bonjour à toi, Yougong, j'espère que t'as vu la fin de cette chasse absolument immonde et révoltante. Loubou, mon Dieu, ne me quitte plus jamais. Et finalement, je disais ça tout à l'heure en rigolant, mais j'ai prédit la suite. Eh oui. Alors attention, là on va se concentrer. Je demande à ceux que à ceux qui ne sont pas prêts et qui n'ont pas vu la fin. Bon, déjà vous êtes fait spoiler, etc. Attention. Couvrez-vous les oreilles, parce que là, ça va être du gros spoil, à mon avis. Bien joué, partenaire, je savais que tu y arriverais. Les recherches sur les dragons anciens ont avancé comme jamais. Et Astera est en ébullition. C'est grâce à toi et à ton travail acharné. Tout le monde le dit ici. Oh, arrêtez. Je ne suis qu'en Claude Ogaron, vous savez. Ceci dit... Comment dire, en fait, tu pues, voilà, alors je te le dis tout de suite, tu pues, ça fait 40 jours que t'es en train de chasser des dragons anciens, tu n'as pas pris un seul bain, lave-toi, tu es dégueulasse. Regarde un peu qui est de retour. Ah, je ne vous ai pas fait attendre, j'espère. Alors il paraît que c'est toi qu'il faut remercier pour nous avancer sur l'étude des dragons anciens. Dès le début, j'ai su que tu casserais la baraque. C'est pour ça que nous t'avons choisi, le commandant et moi. Oui, oui, nous t'avons choisi, bien sûr. Hein. J'apporte moi aussi quelques nouvelles. Tu te souviens quand je te disais que mon vieil ami était parti à la recherche d'un endroit débordant d'énergie? Et je pense qu'il parle du Wyvernien qu'on a rencontré dans le premier acte. Eh bien, ça y est, il a enfin fini par le trouver. Je pense donc aller voir cela par moi-même. Avec un peu de chance, ça expliquerait pourquoi les dragons ont tous commencé à perdre la tête. Oh, quelque chose qui fait perdre la tête aux dragons. Alors, est-ce que ça serait comme le virus, comme dans MH4U? Je sais pas. Oh, et mon ami, un message pour toi. Ah. Jeune scarabée, j'ai juré que nos chemins se croiseraient à nouveau. Et je compte bien tenir ma promesse. Je t'attendrai pour lever l'ancre. Très bien. Tu as entendu? C'est une invitation personnelle. Tu viens avec moi et il n'y a pas de mec qui tienne. J'adore ce personnage-là. Je le trouve trop cool.
Je te laisse ta partenaire s'occuper du quand et du comment pour il faut soumettre une quête officielle et faire toute la paperasse. D'accord. Pour le moment, on n'en parle à personne, d'accord? Tout ceci doit rester entre toi et moi. Mais c'est quoi? Cette phrase était un petit peu misogyne, c'est tellement la secrétaire. Secrétaire, un café, s'il vous plaît! Le Clodo-Garon, j'avoue que c'est rigolo quand même. Mais bon, en vrai, je suis pas en Clodo-Garon, hein. Dardanian a foncé sur le couche là. Ah oui, Dardanian aussi, ça peut être pas mal avec ces deux petits dards là. 20 minutes à galérer pour le finir au 15 sectes. Franchement, c'était révoltant. Pour le moment, on en parle. D'accord, oui, voilà. Allez, je compte sur toi et tâche d'être à l'heure. Ok. Enculé. Impressionnant. Ah, commandant Sensei. Hein. Commandant Senpai, notice me. Hein. Bon travail avec ces dragons anciens. Nous devons immédiatement faire part de nos découvertes à la guilde. Je vais demander au capitaine de préparer un navire. On ne sait toujours pas pourquoi les dragons anciens sont retournés dans les terres des anciens. C'est comme si quelque chose les attirait. Pour l'instant, la seule chose que nous pouvons faire, c'est continuer nos recherches jusqu'à ce que nous trouvions la réponse. Qu'y a-t-il ? Hmm ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as quelque chose à me dire ? L'amiral a encore un plan ? C'est ça? Ou a-t-il décidé de t'emmener? Peu importe l'endroit, j'imagine que tu y vas aussi. Ah, il est... Toi et ta partenaire, bien sûr. Entendu. Ça serait pas drôle d'emmener une suicidaire... de ne pas emmener une suicidaire qui a pas arrêté de faire des conneries en mode « Eh mais attendez, c'est une super bonne idée, et si on se séparait dans le Val Putride? Loli loli lol. Finalement, être à deux doigts de se faire croquer à chaque fois. C'est personnel, mais l'amiral vient avec toi. Oui, non, mais oui. Mais je pense que, en vrai, vu comment ils sont potes et tout ça, ça dérange pas que l'amiral. Et puis, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grande personne, il n'y a pas grand monde dans le monde de Monster Hunter qui peut dire à l'amiral, ta gueule, tu viens pas. S'il a envie d'y aller, je pense qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Voilà, hein, on est d'accord là-dessus, je pense. Eh bien, je me chargerai de la situation ici. N'oublie pas que, quoi qu'il arrive, ta partenaire sera toujours à tes côtés pour t'aider. Et oui, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe du camp, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des autres. C'est comme dans les chasseurs du cœur. On s'est rendu compte que, finalement, fallait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de tout le monde. La commission tout entière est avec toi. Oh la vache, la pression. Alors, découvre ce qu'il y a à découvrir, mais promets-moi de revenir sain et sauf. Et là, du coup, tu vas droit dans ta chambre et tu dis « Non mais en fait, je peux pas y aller, j'ai mal au ventre. » T'es certain? Mais pourquoi me dis ça? Pourquoi tu me fous la pression comme ça? Écoute. Hop. Pas de soucis. Je pense que là maintenant j'ai un petit peu de pognon. On va calmer un petit peu les ardeurs. Et on va ramener... je sais pas. Déjà les consommables c'est déjà pas mal. On va ramener un petit peu de tout ce que j'ai pas vu. Comme ça on va pouvoir voir un petit peu. Les consommables je connais. Les matériaux j'ai jamais vu ce que ça donnait vraiment. Et les objets divers alors là encore moins. Donc du coup on va voir un petit peu. Et puis au pire on fera des ornotors pour se faire de l'argent. Hein. Inventaire... Oui... Voilà... Vendre tous les objets, machin, 26 000. Et on a dépassé la barre symbolique des 200 000. C'est pas comme si c'était sur mon compte en banque. Du coup, on va aller voir un petit peu toutes les quêtes. Ah bah oui, parce que du coup, machin, il doit me dire bravo. Pas mal. Tu m'impressionnes, chasseur. Grâce à toi, notre étude du Kushala Dohara avance à grands pas et Astera est en sécurité. Quel est ton secret? Où est-ce que tu trouves la force de faire tout ça? Honnêtement, ça m'échappe. Eh bien, écoute... je vais t'expliquer, c'est un secret que l'on garde, toi et moi. Ton arme en os, là, elle est dégueulasse. Faut changer de stuff, mon gars. Parce que l'armure niveau 1, c'est de la merde. Il faut farmer, il faut être un chinois. Mets-toi dans la tête qu'il faut être un farmer, là. C'est plus possible de se trimballer avec des pots en cuir. Enfin, du stuff niveau 1, mec. T'es en chasseur niveau 1. Merde. Quoi qu'il en soit, tu as fait du bon boulot avec ce couche à la Daora. Et merci encore d'avoir protégé tout le monde. Ce n'est que mon métier. Un autre jour, un autre monstre. Une autre ville à sauver. Le mec est passé de statut de chasseur qui est en mode « je veux bien faire, je veux protéger tout le monde » en mode gros héros qui se la pète et qui s'en bat les couilles.
Écoute, tu vas pas me dire ce que je dois faire déjà? Parce que moi, je te ferai dire que j'ai sauvé le monde plusieurs fois. On n'a pas regardé s'il y avait des... Attendez, parce que du coup, d'abord, il faut regarder les skins. C'est complètement Dark Souls. Hein. Oh, 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 avec le grand drapé et tout là. T'es sûr de vouloir me faire ça? Vitalité. Permet à la récupération de dépasser le jeu. Sérieusement? Ah, c'est rigolo ça. Augmente l'attaque quand la vie est à son maximum, accélère la vitesse de guérison des objets, des dégâts temporaires. Oui, d'accord. Purification augmente la résistance contre l'affliction mort-vivant. Ah! Du coup, la purification, d'accord, ok. Donc c'est contre la marque noire. Putain, je vais me faire défoncer. En vrai, je vais me faire défoncer dans la commune. Ah, l'armure couchée à la Daora. Que je trouvais stylée, mais voilà, je la préfère comme ça avec le casque. Parce que, du coup, il y avait une personne qui me disait comme quoi, ah, c'est dommage, on peut pas avoir le visage ouvert dans ton truc. Et bah si, regarde, tu as juste à faire l'armure couchée là. Que la couchée à la normale, elle est comme ça. Bon, bref. Annule les effets du bourrasque. Incroyable. Augmente grandement la distance d'esquive. Ah, du coup, ça doit fonctionner aussi avec, avec le dash en l'air, si je ne m'abuse. Du coup, ça doit être très drôle, en vrai. Tu prends ça, tu prends ça. Alors, tu prends ça. Du coup, tu prends ça. Tu prends... Ça fait chier d'avoir trompe la mort là-dessus, y a pas besoin... À la limite, tu prends une petite gemme ou un collier. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Invulnérabilité, ça fait quoi déjà? Ah bah oui, bah ça... ça complètement, ça. Ça, tu déséquipes parce que c'est de la merde. Un troisième item, qu'est-ce qu'il faut? Concentration, savoir-faire, blizzard... Parce que en vrai, blizzard, c'est juste l'attaque glace, c'est ça? Ouais, on s'en fout, ça. Savoir-faire, c'est de la merde aussi. Par contre... ouais, si... Voilà, comme ça, c'est... Tu prends ça pour... tu fais du Kushala pour faire du Kushala. Bref, le Kaiser. Ouh, c'est rigolo. Fameuse armure Théostra. On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne technique. Empêche l'émoussement de l'arme lors des coups critiques. Ah, mais c'est pour ça que les... D'accord, je viens de comprendre certaines choses et surtout les sets d'armure de Zelda Hunter. C'est incroyable. Je comprends pourquoi tu as tranchant infini. C'est absurde. Je conçois que c'est encore plus fort que le Dogaron. Si t'as beaucoup de critiques. Et puis je suppose que... voilà, effectivement, t'as putain de mise à mort, et ça c'est trop cool. Ça c'est rigolo aussi. Accroît la puissance des fusions de fuseur arbalète et de perce dragon, ça c'est aussi c'est rigolo. Bon après, le classique, du coup. Bon, bah ça... on est d'accord que... On va essayer de faire quelque chose, là. Destruction massive, c'est dommage, parce que... Ça demande à jouer avec des explosions, ça peut être cool. En vrai, avec l'arme Paolo Mou, des trucs comme ça, ça peut être rigolo. Des trucs qui ont déjà pas mal de critiques. Force latente, ça sert à quoi? Dans certaines conditions, force latente, c'est pas... Ah, je sais pas comment ça se déclenche. C'est ce qui m'avait manqué, merci. Bon bah, croix à la puissance des fusées arbalètes, on s'en fout, du coup, force latente... C'est pas genre... force latente, c'est... adrénaline? Quelque chose comme ça? Ah, et puis en plus, oui, effectivement, force latente, à chaque fois que t'es... Oh la vache... Ah non, mais c'est absurde. C'est absurde. En vrai, c'est presque beau comme ça, le stuff, là. C'est rigolo. Bref. Ah, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu qu'il existait.
c'est trop bien ça. Je suis pas du tout fan de l'armure Rathalos de cet opus. Je la trouve vraiment pas belle. C'est, je suis désolé de le dire, mais je préfère celle de Emma Shaw. Qui s'active quand tu perds 180 de dégâts ou que tu ou reste avec le monstre pendant 5 minutes. D'accord, ok, bah je te remercie de l'indication. Secret du Diablos, voilà, les armes non élémentaires, ça c'est fort. Ok, bah je suis très content. Toujours pas la corde de quoi que ce soit. Du coup, je suppose que ça, c'est les armes de... Oh, oh la beauté! Ah non, c'est dégueulasse! C'est un poulpe! C'est complètement un calamar! Non mais attendez, c'est du troll, là. Ça peut pas être les armes d'Aora. C'était... C'est un calamar? Mais il me le faut absolument. Mais moi, je veux tabasser des gens avec un calamar. Est-ce que quand tu tapes, ça fait... Ça fait des bruits dégueulasses. Mais mon dieu, quoi. Ce calamar du charisme le plus absolu, quoi. Bref, excusez-moi, je m'emballe. Mais on a une aventure qui nous attend. Faut aller parler à l'assistante, faut aller manger. T'as quoi contre les poulpes? Altiel, calme-toi. Je sens que t'es énervé, là. Qu'est-ce que t'as contre les poulpes, hein? Plat du jour, 40. Attaque petite. C'est de la merde. En fait, c'est la surprise du chef, mais au moins bien. Ah si, quoique. Oh. Ça vaut la peine de faire ses propres repas? Ou pas? Je me suis toujours demandé la question. Enfin, je me suis toujours posé la question. Bon, allez, on va prendre la surprise du chef, on s'en fout. Oh non, j'aurais dû vous laisser un petit peu la cinématique. Tant pis. Assistante. Oh! Attention, moment historique. L'assistante n'est pas en train de manger. On est sur un moment historique. On sent bien que c'est grave. D'accord? Alors, dis-moi. Tu comptes vraiment te rendre à l'endroit dont on va parler l'amiral, là où toute cette énergie s'accumule? Je ne vais pas essayer de t'en dissuader, mais... L'angoisse me ronge, j'en ai l'estomac tout noué. Elle ne mange plus. Et tu sais à quel point je fais attention aux signaux que m'envoie mon estomac? Oui, ça on l'a vu. Elle est toute triste. Oh, elle est toute... Mais t'en fais pas, je ne vais pas mourir. Enfin, j'espère. La pauvre, elle est toute triste. Si t'étais un poulpe, tu nous aurais probablement fait une clodo depuis ton bassin. Une clo-clo de depuis ton bassin. Alors attendez, je vais sécher les cheveux. Alors, je suis désolé de vous dire, mais il n'y aura pas de stream ce soir. Je me suis électrocuté. Là où tout converge. Ouh là là, vous le sentez. Je suis en train de me hyper de ouf. Je sens que c'est la dernière mission. Ne dites rien, ne dites surtout rien sur le chat, je ne veux aucun spoil, aucune astuce pour le tabasser. Je veux vraiment juste faire mon fight, donc je vais pas trop parler pendant le fight, je pense que je vais me concentrer et je vais essayer de... C'est le roi dont nous a parlé l'amiral. Ah, vous voilà. Amiral ! Oh ! Le chasseur Wyverien est là aussi ! Oh putain, je les avais pas vus ! Il est où ? Il est plus bas. Ouais. Ah, te voilà. Et alors, qui plus est, ce n'est pas pour me déplaire. L'homme que tu vois là-bas, c'est celui qui t'a fait venir ici. Je crois savoir que vous vous êtes déjà rencontrés. D'après lui, toute l'énergie s'accumule. En un point précis et en amont de la rivière. Ouh là là. Bien, il est bientôt l'heure. Monte dans cette barque dès que tu es prêt. Mais n'oublie pas qu'une fois à bord, il te sera impossible de faire machine arrière. Si tu ne te sens pas prêt, tu peux t'en aller. Personne ne t'en tiendra rigueur. Et ça, c'est un bon conseil et c'est très bien. Parce qu'il y en a marre des espèces de... Non mais je suis un homme, hein? Vas-y, moi j'y vais. Je suis un bonhomme. Alors tu acceptes d'embarquer? Haha, j'en étais sûr. Tu fais honneur aux chasseurs du Nouveau Monde. Non mais j'avais dit non. Tu sais, le mec, il se casse. Il revient plus. Il repart dans l'Argosie.
Oh, je vois que monsieur joue Insectoglave aussi. Je vois que monsieur a du charisme. Je vois que monsieur a très bon goût. Salutations. Salutations, nos chemins se croisent à nouveau. La piste que je suis depuis notre dernière rencontre m'a conduit jusqu'ici. Tout comme toi, on dirait. Tu as donc vu le cimetière des dragons anciens, n'est-ce pas? J'ai découvert qu'une vaste quantité d'énergie courait dans les artères souterraines du Val pour se propager au reste du continent. Ça, c'est trop cool. J'ai découvert qu'une vaste quantité d'énergie courait. Oui, bah ça, je l'ai déjà lu. Lors de notre dernière rencontre, j'essayais encore d'en comprendre la cause. Mais depuis, j'ai pu localiser l'endroit où semble converger toute cette énergie. Il se trouve non loin de la source de cette rivière. Je compte m'y rendre pour voir ce qu'il en est. Nous approchons de la fin du voyage. Allons découvrir le sort que le destin nous Au réserve. revoir. Je t'attendrai ici jusqu'à ce que tu sois prêt. Je peux vous dire que là, j'ai une pression et un plaisir qui est en train de monter. Oh la vache! Oui, je suis prêt. Allons C'est affronter parti. et allons allons et pas affronter mais allons voir ce qui se passe. Le Zora Magdaros a traversé les ténèbres de l'océan, à nous maintenant d'effectuer notre traversée. Oh, ce que c'est poétique. Cinématique, là je vous laisse, je ferme ma gueule. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? On va revenir, les crates. Je me demande bien comment tu as trouvé cet endroit. C'est le Zora Magdaros qui a créé cette galerie. À leur mort, les dragons anciens se décomposent dans le Val putride. L'énergie s'accumule dans les veines de la terre où elle se cristallise. Et au fil du temps, ça a formé la terre des anciens? Oui. Cependant, durant ces dernières années, j'ai ressenti une forte augmentation du flux d'énergie. Comme dans mon pantalon. Ah, ça ne me dit rien qui vaille. Prépare-toi, mon ami. Quelque chose de terrible nous attend. Nous y sommes presque. Ah bon sang, j'arrive pas à y croire. Au fil des années, la cristallisation des dragons anciens a formé cette énergie. Mais je ne l'imaginais pas aussi gigantesque. Une telle pureté. Impossible. Ça voudrait dire que... Oh putain! C'est en fait une boule disco! La puissance du disco est trop forte à l'intérieur de cette boule! Ah non, il va pas mourir, hein. L'incarnation du disco. Il est putain de classe.
Non, amiral. Vous avez trop de responsabilités. Je m'en occupe. Tout à fait. Il est gigantesque! T'inquiète pas, Loubou, nous y allons! Oh là 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 là! Mais c'est autoguidé cette merde! Il est tellement grand, bordel! Je l'imaginais tellement pas comme ça. Non, non, j'ai fait une connerie. Je peux pas grimper sur cette chose. Je brise littéralement les couilles. Il est tellement putain de beau. La musique est folle. La musique est complètement folle. Ça y est, il va grandir. Voilà, il a les pattes qui... Attendez, il n'y a pas des... Merde! Par contre, on est d'accord, hein. C'est... Je me concentre. Vas-y, Loubou! Laisse pas d'opportunité. Trop loin. Oh la vache! Ouh là là. Mais c'est un bébé. Je suis en train de tuer un putain de bébé. Il est tellement gros. Tu dois avoir tellement d'HP en vrai. Aïe. Ça y est, mais il est... En fait, il évolue en temps réel. C'est fou.
Non, j'avais le bleu. Enfin, j'avais le orange. Oh là là. J'essaye d'esquiver, hein. Je joue très safe. Parce que c'est quand même... Par contre, on est d'accord pour dire que c'est complètement safe. Alors, on cherche le secret de l'immortalité. Très bourrable, hein. Je sais pas si c'est parce que je joue bien, mais... Oh oui, d'accord, ok. Écoute, hein, moi je vais rester dessus. Ouh là là. Non, fais pas cette blague de on est comme pain et beurre. Il est en train d'évoluer. Aïe aïe aïe. Oh, le chat du charisme. C'était l'insecte en plus. C'est incroyable. C'est ok Capcom. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Ça valait les 8 mois. Ça valait les 8 mois. Ça valait les l'enfer des spoils. L'enfer des spoils complètement. Oh putain, ça sent l'attaque. Non! Tu n'as pas le droit de t'en sortir. Non, faut que tu te casses. Non, j'ai loupé. Faut surtout pas qu'il se barre. J'ai essayé d'esquiver, mais j'ai été gourmand. Soigner, on va pas déconner non plus. Oui, oui, Capella, oui, oui, mon chaton. Machin à utiliser ultra laser, c'est très efficace. Honnêtement, je suis vraiment pas déçu. Là pour l'instant, c'est vraiment un fight exceptionnel qui m'offre le jeu. Exceptionnel. Là, il m'offre une pure soirée de folie, hein.
secours! Est-ce qu'il y a quelque chose pour le faire tomber? Non. Il est magnifique. Alors je suis désolé, je vous lis zéro, mais alors... je pense que tout le monde comprend pourquoi actuellement je suis en train de tabasser les couilles. What? Et si je le tue encore avec Loubou, ça c'est incroyable. Ok, ça c'est bon. Un peu plus que la tête. Bob Moran contre tout chacal. Hein. Aventurier contre tout guerrier. Hein. J'arrive pas à trouver son rouge. Loubou, mon petit Loubou, c'est toi le meilleur. On l'a encore vu, hein. Vous l'avez encore vu, hein. Loubou est en spectacle tous les mardis. Au théâtre d'Annecy. Je vois même plus ce qui se passe. Je vais couper le steak! Bon, worse. Oh, j'ai envie de lui ramasser le steak. Je suis sûr que ça va être une baise. Merde. Je suis tellement obsédé par le steak là que... Non, c'est bon, c'était le coup de queue. Capella, Capella, Capella. Tu joues au basket, Capella. Je suis sûr que ça va être en mode... On va rebouger encore, et si je... Après, tu m'as pas vu. Arrête. Est-ce que je peux le carter une deuxième fois? Non. Peut-être pas quand même. Si. Aïe. Où mes pierres perforantes? Ah merci. C'est vrai que pour l'instant le m'offre pas forcément un combat extrêmement difficile. Mais c'est pas. C'est vraiment. Mais il fait des bruits de bébé! Je suis désolé hein. C'est un beau bébé, je dois bien vous l'avouer. Bien joué. J'aimerais bien lui péter. Yes. Une patte, de fait. Oh, cette esquive qui était pas du tout prévue au programme. Bon, je vais péter la tête, je vais péter les ailes, je vais péter les pattes arrière.
Pas mauvais jeu de mots. Dans le cul. Vous l'avez tous vu. Mais tu me fais pas peur, mec. Ah, là c'est chiant. Mais la tête. Oui. Oh là 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 là. Il est redevenu flamboyant. C'est bon, je l'ai esquivé. Vas-y le bout, tue-le. S'il le tue là... Je démissionne. Je dis non, mais c'est pas moi qui l'ai tué, vous savez. C'est mon insecte. Ah, je l'ai pris quand même. Je pensais pouvoir rebondir sur... C'est bon, il va faire sa vieille attaque nulle. Par contre, j'espère que je l'ai bourré suffisamment. Vas-y, tue-le! Je sais que t'es mon arme secrète. C'est mon arme de destruction massive. Wouhouhouhou. It's me, Mario. Vas-y, Capella. Envoie. Envoie la sauce. Tant pis. Tu connais Gurren Lagann ? Bah moi non plus. Même pas peur. Moi j'ai un insecte. Et toi t'as quoi ? T'as quoi pour toi ? Hein ? T'as pas d'amis ? Moi j'ai la puissance de l'amitié, j'ai la puissance du chat. Dans les couilles. Moi j'ai pas besoin de voler. Oui, je ne lis pas le chat, hein. Là, je suis concentré de ouf. Et bon. Je prends un plaisir. Je sais que vous me supportez. Vous êtes en mode, vas-y petit bille, bourre le plus. Non, plus à gauche, à droite. Non mais en fait, tu devrais faire ça. Alors attends, parce que là...
je comprends pas, un streamer ça devait l'air sans chat, bande de salauds. Vous êtes vraiment... Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai vu un truc sympa là. Et voilà. Le machin il s'est tellement... Je sais pas ce qu'il a fait. Regarde, j'aiguise devant ta gueule. Alors attendez, parce que... Au secours! Bien joué. L'armure Clodo Garon vaincra. À toi de jouer, Loubou! T'as plus la patte arrière quand même. Histoire que je fasse semblant d'exister. Face à ta suprématie et ta grandeur. Je sais même pas s'il y a un vrai truc à faire parce que là, pour l'instant, je suis en train de juste le défoncer. Et. Oh, vous l'avez vu, il l'a foutu à terre pour la deuxième fois sur ce stream. La puissance du 15-5 de Tignum est over 9000. Boom. C'est inimaginable à quel point ce 15-5 est incroyable. Ok. Tiens. Faut que je change de patte. Ah mais il a plus d'énergie. Oh bah oui, tu m'étonnes. Pauvre qu'insecte. Voilà. Ok, bon ça va, il fait ça, son truc de merde. Je crois que je vais tout péter là. Hein. Non mais de toute façon, si le monstre voulait évoluer, il évoluerait en qu'insecte. Là, il a trouvé son maître. Gardez-le. Il est mort. Mais non. Eh oh partenaire, ça va bien? Ah je me suis... En vrai je me suis éclaté sur ce fight. Bon maintenant il est temps de vous lire parce que j'ai vu des choses assez incroyables. Attendez parce que je vais quand même carver parce que si je le carve pas je pense que je me suicide. Je pense que si je carve... Corne 1-1-1. Ok. J'ai réussi. Tibi qui foire tous les pièges. Attendez parce que je suis en train de voir. Est-ce que faut que j'aille à plusieurs endroits comme les gros monstres? Allez, on va spammer. J'ai fait toute la queue, j'ai fait tout le corps. Normalement, ça devrait aller. J'espère que la queue tout est fini. C'est bon, j'avais pas besoin de me presser en vrai. Il y a pas de petits morceaux de trucs de ce monstre. Ah mais il était censé détruire des morceaux de zone et je l'ai trop défoncé. Bon bref.
Alors attendez, je vous lis un petit peu. Because, concert de Jean-Michel Jarre Comic, un fœtus, il a trop d'yeux. L'arrête pas. C'est un bébé, il vient de naître. Au moins il est pas venu à la DS. Comme moi la première fois. Ah oui. T'es devenu... D'accord, ok. Attendez, je suis tombé dans un trou. Attendez. Je vous lirai après. Mais ta gueule, Google. Je vous lirai après. Nouvelle quête arène disponible. De nouvelles couleurs pour vos armures ont été ajoutées au coffre. Vous transportez davantage d'outils de survie pendant les quêtes. Une nouvelle cinématique a été ajoutée à la galerie. Nouveau niveau d'amélioration est disponible pour les armures. D'accord, ok. Deux secondes, hein. J'essaye de remonter un petit peu pour lire, mais j'essaye de pas louper les cinématiques. Parce que bon. Attendez. Ah mais non, je suis tombé, du coup il y a mon Menos qui est venu quand même. Mon Mernos, pardon. Je profite. C'est pas possible. Tu passes ton temps à tomber et à pioncer. Alors, c'était comment, la grande éclate? Oui. Tu as repris tes esprits. Grâce à vous, le travail de la commission de recherche est enfin terminé. J'ai envoyé un vaisseau en informer la guilde. Elle confirmera la fin de notre mission une fois nos découvertes vérifiées. Laissez-moi tous vous féliciter pour vos vaillants efforts. Et maintenant, fêtons ça comme il se doit. Au banquet ! Bien, on a réussi. Tu sais, quand on est arrivé ici, je me suis demandé si j'avais pas fait une bêtise. Mais maintenant, je sais que partir à l'aventure était la bonne décision. Oh, madame, je vais aller la saluer. Allez, viens. Puis-je? Sans toi, je ne serais peut-être plus de ce monde. Merci. Toi et tes compagnons, vous formez un groupe remarquable. Vous êtes tous talentueux, uniques, déterminés. Lâche mon chat ! Fumier, lâche mon chat ! À votre façon. Mais le moment venu, vous faites cause commune pour devenir une force formidable. Je n'imagine aucun défi en mesure de vous résister. Un monstre qui se développe en accumulant de la bioénergie. Impossible d'imaginer son existence dans le nouveau monde. Voilà qui pourrait expliquer la venue des premiers dragons anciens, vieillissants et poussés par une faim d'énergie. Possible. Peut-être une histoire de phéromones ou un truc dans le genre. Au final, cette terre s'est enrichie en nutriments. Elle est devenue parfaite pour les gros monstres. Ça explique sûrement aussi pourquoi tant de dragons anciens y vivent. Heureusement, t'as réussi à arrêter cette chose. Ça aurait été une catastrophe qu'elle quitte son nid. Enfin bref, félicitations. Non. Je pense que tu peux le garder. Écoutez-moi tous. La guilde nous a répondu. La guilde vous félicite d'avoir élucidé le mystère de la traversée des anciens. Les données fournies confirment que le monstre découvert appartient à une nouvelle espèce de dragon ancien. Un nom officiel a été choisi, Xenogiva.
Votre mission au service de la commission de recherche est terminée. Encore merci pour vos exploits. Vous êtes libre d'entamer le voyage retour. Cependant, la présence de la commission dans le Nouveau Monde est toujours d'un grand intérêt pour la Guilde. Si vous le souhaitez, nous aimerions vous proposer de continuer vos travaux. Et voilà. Si nous restons pour poursuivre nos recherches, nous serons confrontés à d'autres épreuves. D'autres dangers. Personne n'est volontaire, je suppose. Mais t'es ouf, moi je reste là ? Mais ouais ! Vous aussi le chat ? Vous avez envie de rester ? Il y a de la bière ! Moi je reste, il y a de la bière, hein. Très bien. Dans ce cas, soyez les bienvenus chez vous ! J'ai intérêt de prendre des forces. Incroyable, ça m'a foutu une pêche. Bon, du coup, je vais essayer de lire un petit peu vos messages pendant que le. Parce que c'est incroyable. Un fœtus, je dirais même. Oh, je reviens, il faut tuer le machin. Personne ne le connaît, le dragon, encore. Du coup, j'espère qu'on appellera Norbert. Il a des attaques de Fatalis. Oh, je sais pas s'il a des attaques de Fatalis. Mais c'est complètement site, hein. C'est le Fata sur 4 pattes tourne. Je vais pas te mentir, sauter va clairement pas t'aider pour le moment. Là, tu peux sauter. Mini Draco évolue en Draco. And phase baby, seconde phase baby. Vie de chaton, le bon scolon. Qui donne l'arme fantomatique, mais du bref. Secours, je comprends pas. Le streamer, ça doit lire son chat. C'était tellement en train de me chier dessus. Oh, best animal de compagnie, hein. Vous l'avez vu. C'est vraiment ce... C'est un chieu déguisé en monstre, les bruits me font douter. Ah non, mais c'est vrai qu'il a des bruits un peu trop mignons. Hein. Puissance du shot que tu ne lis pas. Eh oh, arrêtez de me chier dessus. C'était tellement difficile. En vrai, c'était pas difficile, mais c'était juste que j'avais envie de faire un vrai fight. Il est mort. Vu l'insectoglaive, c'est un plaisir vu sa taille. Non, mais c'est vrai que, par contre, je dois bien vous l'avouer, j'ai senti que le monstre était très facile à l'insecto. C'était vraiment le monstre, c'était la bourrance la plus absolue avec l'insecto. En fait, tu t'es fait voler ton stuff. Et pendant que je dormais, eh, vas-y, fais qu'écrou ton armure de Claude au Garon, là. En vrai, j'aurais adoré savoir à quoi ressemble la bestiole quand elle est assez nourrie et développée. C'est vrai que ça aurait été... Bah, je pense que déjà, elle aurait été quintuplée de taille, en vrai. Mais alors là... J'avoue, rester ici, c'est avoir 30 monstres. Alors que tu pourrais go sur MHXX. Ah non, mais là... Là, tu m'as tenté, hein. Tu m'as tenté de rester ici, hein. Hors de question que je touche à cette daube. Maintenant, même les styles de chasse n'ont plus aucun intérêt, finalement. Parce que t'as tellement de game... Enfin, tellement le gameplay a évolué sur les armes, qu'au final, tout ce qui est dans les styles de chasse, bah, tu les retrouves dans ton arme, en fait. Et là, tu joues vraiment une arme comme un style. Et... Eh bien, Capcom, vous avez réussi, vraiment, à me faire extrêmement plaisir. Je pense que j'étais encore plus souriant que n'importe lequel des PNJ qui étaient à l'intérieur de cette cinématique. J'espère que vous avez kiffé cette fin, tout comme moi. Désolé pour les spoils, hein. Je sais qu'il y en a certains qui... Oh putain, ça sent la bouffe de ouf. Oh, j'ai envie d'aller chercher un gros tacos et de venir vous rejoindre plus tard. Et c'était la fin de la cinématique. Oh, attendez.
Ah, j'ai cru qu'il allait y avoir quelque chose. En vrai, ça aurait été stylé. Et ben en fait, c'est rigolo qu'ils finissent sur cette image, puisque finalement, il manque ça en fait. Il manque l'océan. Imaginez un MHW avec là les prochaines maps qui pourraient sortir, ça serait l'océan techniquement, puisque on a fait tout le continent, alors que de nouvelles espèces amphibiennes sortent de l'eau, etc. Là, ça pourrait être stylé. Et là, t'enchaînes avec un gameplay dans l'eau, bien fait, bien fluide, etc. Ça pourrait être grave stylé. D'ailleurs, Capcom a annoncé que ça serait le dernier. Il y en a plus après ? Non, tu mens, Altiel, là. Je pense que tu mens. C'est pas possible. C'est une belle fin. Mais là, tu me rends triste. Je sais pas si je voudrais rejouer MH3. Ah, c'est pas... Je sais pas. Mais en vrai, c'est incroyable. Mais ta gueule, Google ! Google ? Ok, Google ! Ferme ta putain de gueule ! Merci. Voilà, ça y est. J'ai de nouveau le chat, parce que j'ai dû louper des... Remettez votre dernière phrase, parce que j'ai pas pu vous lire. Ah, mon dieu. Et si franchement c'est le dernier Monster Hunter, ça serait tellement dommage en fait. Le truc c'est que ça serait vraiment con en fait d'arrêter le Monster Hunter là-dessus. Ça serait vraiment débile en fait, parce que justement t'as les combats sur les océans, ils pourraient très bien réussir à faire en sorte que le combat soit plus intéressant, etc., plus fluide. Avec des équipements de chasseurs en mode, pas forcément une cape, mais enfin des petites hélices, des trucs comme ça. En mode sac à dos, des trucs comme ça. Mais enfin, ça pourrait, y a plein de choses qui pourraient être faites. Qui a dit qu'il n'y avait que deux continents sur toute la planète ? Ça, c'est ridicule. Et franchement, Capcom, bravo. Bravo, 4 ans de secret total. Il n'y a pas eu un seul leaks. On a eu juste un leaks du nom qui a été posé, genre 3-4 jours avant... avant le 3, et qui était en mode Monster Hunter World. On savait qu'il y avait un nom. Toi, Reed, ça y est. Il y a un continent au sud avec des pandas. Mais oui, bien sûr. Ah, je peux vous dire que là... franchement, j'ai bien kiffé. Ça m'étonnerait même pas, tu vois, que... Par contre, c'est toujours la même question. C'est toujours la même question qui me taraude. Et que tout le monde a dû poser sur son chat quand ils ont streamé le jeu. Ils font quoi ensuite ? Comment tu veux ? Là, on va retourner dans un thème classique, en mode ils vont retourner avec MHW+. Ils vont juste ressortir quelque chose ? Juste des monstres en plus ? Est-ce que... Enfin, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que du coup, ils vont rester sur le jeu et... Ou alors, ça se trouve, ils vont faire ça. Hein. Ça se trouve, ils vont builder autour du jeu. Ils vont faire des méga extensions, des méga trucs, des trucs comme ça. Ça serait stylé, en vrai. Moi, je serais très content. Plutôt que de refaire un truc. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on aille visiter des îles, un petit peu comme... un peu comme dans Dragon, la série. Où tu vas sur des îles, tu découvres des nouveaux dragons, etc. Tu les étudies, tu vois un peu comment ils fonctionnent, tu essayes de te défendre, de faire un avant-poste. Ça pourrait être stylé en vrai. Ça pourrait être ça, hein, simplement. Ça pourrait. On réussit peut-être à. Je sais pas, j'allais dire apprivoiser, peut-être. Pas forcément des ratalos, des trucs comme ça, mais. Apprivoiser quelque chose ou juste y aller en bateau, hein, simplement. Mais. Avec des petits monstres, parce que là, on a bien réussi à apprivoiser des mernos, etc. On a la réponse sur PS4 ? Comment ça, Altiel ? Où c'est dans le jeu, mais on voit une carte du monde et à côté une île. D'accord.
D'ailleurs, dans le Val Putride, alors je suis d'accord, il y a un putain de Dalamadur qui est tout autour, tu vois. Mais dans les profondeurs, là où il y a le Valaazak, il y a une espèce d'énorme, gigantesque tête disproportionnée. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Oui, non, mais Altiel, ça, je sais qu'ils ont rajouté des monstres, etc., qu'ils veulent faire plein de mises à jour gratuites, mais on ne sait pas, ça va être quelle ampleur, en fait. Est-ce que c'est juste, de temps en temps, ils rajoutent un monstre comme ça, et puis ils laissent vivre leur jeu comme ça ? Ou est-ce que ça va être moi, je parle de vraies extensions, c'est, tu rajoutes des maps, tu rajoutes des monstres, tu rajoutes des niveaux, pas forcément le ranger ou quoi que ce soit, parce que, en vrai, on pourrait rester en expert, et puis... Et puis voilà, continuer d'avancer, etc. Ah! Ah putain! Voilà enfin! Dis donc, on a mis du temps. Alors, on y retourne? Ah bah bien sûr, ma biche! Le nouveau monde nous attend, alors en chasse! Par contre, ça, c'est un truc que je kiffe bien. C'est qu'ils ont pas fait en mode. Je sais pas, c'est RC29. C'est pas un truc que je déteste dans les jeux vidéo, c'est quand t'as un personnage féminin et que t'as un personnage masculin, que forcément le personnage féminin doit tomber amoureuse ou quoi que ce soit. Là je suis arrivé, j'ai commencé à douter un peu vers la fin où ça commençait à être la fête, où t'étais en mode, il y avait une lumière tamisée, tous les deux vous aviez une énorme chope de bière, je me suis dit, ah non ils vont pas nous faire ça. Et puis finalement non, et là ils ont tenu le bon bout là. Là Capcom, bravo pour le jeu, vraiment. C'est Go for Jean. Plus des quêtes event partenariat, des quêtes de difficulté d'augmenter. Et le plus gros succès de l'entreprise est le seul premier vrai succès de la série. Arrêter la licence relèverait de la compétence. Ah oui, non, mais là. Et puis pas grave, hein, de. Enfin. Sauf que non, tu pêches ton féline. Ah non, hein. Non, c'est hors de question. Il t'y faire de stats de matériaux, utilise-les pour fabriquer de l'équipement qui te sera vraiment utile. Alors, étoile de saphir, qu'est-ce que sera cette fois? Oh, il m'appelle l'étoile de saphir, je suis le symbole de leur courage. Oh, mon dieu. D'un côté, tu peux faire une meuf aussi. Oui, mais en vrai, il pourrait faire ça aussi. Après, ça serait rigolo. Ou alors, il ferait tomber le personnage amoureux, enfin, l'assistante amoureuse, que si t'es une meuf. Et là, paf, ça nique tous les cons. Bon, je sais que vous l'attendez. Oh putain, finir lesbienne avec le féline, ça serait trop bien. En plus, c'est pas de la zoophilie, puisque techniquement, ils ont une société, c'est juste des xénomorphes, en fait. Enfin, pas des xénomorphes, comment on pourrait appeler ça, une autre race qui vit intelligente dans le monde. Bon, j'avoue que là... Il y a quand même une dose de charisme. Je l'avoue. C'est très rigolo. La version alpha maintenant. Un énorme lag. Ouh. Encore plus d'elle. I'm fabulous. Bon, voyons voir. Divinité du Xenogiva. Ah oui, quand même. L'émoussement est réduit de moitié parfois. Permet parfois de tirer sans utiliser de fioles ou de munitions. Ah mais c'est fort ça en... C'est ultra fort ça en... Comment ça s'appelle? En artilleur. Ok. On y fait un air d'acier. Vite les trébuchements. Épée longue, insectoglaive, lame double. Morpho-H et Volto-H. Reste chargé plus longtemps. Oh ça c'est bien ça. Oh ça c'est très bien ça, la puissance absolue. Ah, attends, il y a la Volto-H. Oh putain, ça par contre 40% de temps en plus sur le bouclier et sur l'épée. Ça veut dire? Ça veut dire que mais c'est trop puissant, ça, c'est trop bien. Parce que du coup, tu peux complètement bourrer comme un ouf, en fait. Totem élémentaire, ça y est, on commence à rentrer dans World of Warcraft. T'as des remontées de Ridley Scott, fais gaffe. Terrianthrope, je sais pas. Ma petite étoile. Les fléaux élémentaires, d'accord, ok. Croix la puissance des munitions, ok. Ah mais c'est complètement une armure de fuse arbalète en vrai. Augmente les dégâts des coups critiques à 140%, ok.
C'est 125 le max, enfin les dégâts critiques. Je sais pas. Ou c'est 100% juste. Parce que ça c'est fort aussi. Hein. Eh, c'est. Il me fait bien kiffer là le l'armure, elle est. La puissance absolue déjà, c'est bon. On va pas se le cacher, c'est quand même assez cool. Hein. Plus de bourrage et moins de buffage. Qui se rapporte au plumage. Tac tac tac. Qui c'est que. Puissance absolue, tu fais juste le torse. Voilà. Bonjour, je te fais juste le torse. Je le mets absolument partout. Ok, on fait le torse. On se dit que. Ah mais attends, je dois avoir l'amulette aussi. Ah par contre il kiffe vraiment pas du tout. Attendez, parce qu'il faut qu'on regarde quand même quelque chose aussi. Faut qu'on regarde quelque chose. Est-ce que cette chose. Eh ben oui, c'est des cornes du Xenogima qu'il faut. Et du coup, ça ressemble à ça maintenant. C'est rigolo, ça fait une énorme griffe. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. C'est sympa. Avec une petite augmentée. Avec un tranchant bleu qui devient encore plus gros. Voilà. On se fait plaisir, on se fait plaisir là-dessus. Du coup, normalement, là, j'ai tout. Là, j'ai tout. Il n'y a plus aucune armure qui... Enfin, aucune arme qui m'empêche de voir comment ça se passe. Oui, voilà, c'est ça. Je peux aller voir ça. De Garou, etc. Ah, bah voilà. Mais oui, mon petit poney. Petit poney. Oh merde, je viens de voir qu'en fait, il faut du Xenogiva partout. Petit poney. Ah, par contre, l'insectoglève Kirin, bon, il est un peu moche. Je suis pas très fan. Bon, il est un peu rigolo en vrai. Non, il est pas si moche que ça finalement. Mais alors, par contre, les 300. Je sais pas comment fonctionne l'élément. Et ça, c'est l'arme Xenogiva lui-même. D'accord, ok. Oh, les slots! Mon dieu, les slots! Oh la vache! La Volto reste chargée méga longtemps comparée à l'insecto et la morpho. Ah par contre pour la morpho, ouais. Du coup c'est plus un talent pour insecto et morpho. Mais en vrai je trouve que la Volto... je trouve que sur la Volto ça part vite en fait. Tu dois souvent recharger ton épée. Alors peut-être que effectivement l'épée, bon ça te permet de faire le gros coup etc. Mais le bouclier ça va, ça reste longtemps. Mais l'épée par contre, ouais c'est vrai que ça peut être cool. En fait c'est l'armure de Tyrael. Tyrael. Ah oui, d'accord, ok, putain, j'avais pas compris. Espèce d'ange. 125%, ok. Donc ça monte à 140. Et bah c'est bien stylé. On va regarder un peu du côté des Volto, hein, parce qu'il va falloir quand même se faire un minimum plaisir. Oh là 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 là, mais... Oui, je dis oui, mais je dis oui, 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 oui. Oh, c'est trop bien. Ah, on commence à voir les tranchants blancs là. Je pense qu'en vrai je vais me farmer celle-là. C'est elle qui a le plus de plus grosses roues, je suppose. Hein. Ouais. J'aime bien aussi le fait que ça change un petit peu. Quand même les morphos. Bon ça c'est même plus une morphouache. C'est une scie. C'est même pas une hache, je sais pas comment on peut l'appeler ça, c'est n'importe quoi, c'est absurde. En vrai, je vais me faire juste la morpho Diablos noir. En plus, je l'ai quasiment... Vous voyez que quand même, hein, j'ai pas grand-chose à farmer. Si j'ai un petit peu de corne spiralée, j'en ai... Bah, il m'en manque deux, plus une, trois... Donc juste trois, voilà. Mais j'ai l'impression que tout change complet, hein. Du coup, te manque encore... Mais spoil pas. Spoil pas pour ceux qui sont sur le chat, toi, Rink. Même si on a fini le jeu, laisse-les découvrir les nouveaux monstres qui vont arriver. Alors, par contre, on dit ça. C'est tant pis, hein, ça a été balancé. Mais, vraie question. On m'a parlé d'events qui allaient arriver. De vrais events. De vraies mises à jour pour la PC. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles concernant ça? Je n'ai absolument rien regardé, j'ai pas regardé Twitter, j'ai pas regardé chez Vincent Hoffman ou autre, chez Aranok. J'ai pas du tout regardé si Capcom disait certaines choses. Bon, c'est vrai que l'arme. La LS Nergigante, elle est assez drôle. Hein.
Voyons voir, je suis sûr que la lame... Bah voilà, elle est trop stylée. C'est sûr, bien sûr. En plus, elle est tranche en blanc, elle est affinité 15%. Voilà, on s'amuse. Et du coup, je vois tout maintenant. Ah, c'est tellement bien! Par contre, je vais devoir farmer de l'anjanat pour ces armes feu. Alors... Oui, non, mais je sais que c'est connu à toi, Rink. Mais on parle pas de ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui pourraient tomber là-dessus, vite fait. Même si, effectivement, on est sur un... On est complètement sur un stream spoil entièrement, mais bon, bref, on s'en bat les couilles. Allez, on s'en fout. Du coup, on m'a demandé de regarder les duels. Ah oui! Ah oui, effectivement! Ah oui! Ah, j'adore ça. J'adore quand le jeu me fait plaisir comme ça. Les duels Sword Nergigante, voilà. Bonjour. Est-ce qu'elles font pareil avec les Rathalos? Par contre, on est d'accord que les Dual Sword, elles ne veulent rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Il y a des tronçonneuses, des haches. Ah, voilà enfin des vraies épées. Ça, c'est plus deux massues, mais bon. On va rien dire. Oh, les Oudogaron, par contre, elles sont tellement stylées. Elles passent de ça, de vieilles palatartes en os... Ah, ça. Et ça, par contre, là, oui, j'ai vu les gens jouer avec ça. Et je peux dire que quand vous faites votre combo de Demon Dance, là, c'est le charisme et le plaisir le plus absolu. Avec de nouvelles armes. D'accord. Ok. Oh! Ah oui, les schismes immuables. Quelqu'un me les demandait. Elles sont ultra classe en vrai. Hein. Bon, c'est des grosses pelles à tarte encore une fois, mais bon. Charisme. Hein. Bon, en vrai, pour l'instant, vous en avez pensé quoi du jeu? Satisfait quand même? Parce que bon, on va pas se le cacher. Ouais, t'es toujours pas redescendu, hein. Ah oui, le marteau Nergigante qui a l'épique qui ressort et tout, j'avais entendu dire ça. Oh! Ah oui, non, par contre, ça, oui. Ça, je... Rien que pour le skin! Ça, je dis oui! Une putain de hache! Faire les mouvements du marteau avec ça... C'est trop bien. Oui, je m'amuse à regarder un petit peu comment ça se passe. Ok. J'ai le droit, non? J'ai pas le droit? Qu'est-ce que c'est que cette... Ah, c'est une tête de serpent. D'accord. Elle me fait penser un peu à la tête disproportionnée du Val... comment ça s'appelle? Du Val Putride. Si vous voulez, je peux aller vous le montrer. Je vais vous montrer la tête. La Volto au Dogaron. Ah. Allô. Je ne joue pas marteau, mais je crafte pandémonium. Mais oui, mais bien sûr. Ça, t'es obligé. T'es obligé quand tu vois un truc aussi stylé. Tu te dis, mais c'est pas possible. Par contre, en vrai, le charisme, hein, les armes Xeno, elles sont rigolotes. En fait, j'aime bien la physique qu'il y a sur les espèces de tentacules de... Les Keller, là. Il est 21h20. J'espère que c'est pas fermé. Ah, j'ai trop la dalle. Non? On verra ça avec lui. On verra. Ah, par contre, il kiffe vraiment pas les... Je sais pas si ça fait le bug pareil à quelqu'un. Mais les retours sur ton arme de base, je les kiffe pas. Hein. Et
Eh bien écoutez, on a fini le jeu comme promis. Enfin, on a fini le jeu. Excusez-moi. On a fini l'histoire. Comme promis, on va pouvoir faire des petites choses. Si, j'ai une petite question. Alors, je vais en profiter que pour me faire spoiler comme un enfoiré. Parce que maintenant, j'ai vu qu'il y avait ça. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, cette chose? On a mis quand même 3h20 hein, pour... Enfin, allez, on va dire 3h pour finir le jeu. Et ben, c'est passé extra... Je l'ai même pas vu. J'ai l'impression qu'il s'est passé, genre... Même pas une heure, en fait. Tellement je me suis éclaté sur la fin du jeu. Oui. Ça sert vraiment? Bon. Bah écoutez. De toute façon, ça sera indispensable pour vous savez qui. Surtout avec une arme rapide. Oh là là, vous me faites rêver. Eh bien écoutez, je finis mon stream, on va aller chercher, je vais aller chercher, t'inquiète. Moi je vais aller me baffrer. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous. Merci à tous d'avoir suivi le stream, c'était vraiment très très cool. On va finir sur un Poogie, je pense. Je pense qu'on est tous d'accord pour qu'un petit Poogie soit fini là. Il est où? Est-ce que vous l'avez vu? Ça sent les crêpes et tout là. Laisse tomber. Ça m'a achevé. Poogie! Je t'ai vu! C'est le Poogie de tous les Poogies. J'ai même pas de nouveaux habits? Il est beaucoup trop mignon. Voilà, on va se mettre... Oui, non, mais voilà, c'est ça. Il y a Loubou qui est trop mignon, le féline est adorable, et le cochon est trop mignon. Voilà, moi je vais vous laisser sur cette fin. Du coup, je vous fais des gros gros bisous, et peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas si on continuera sur la suite... Quand même, histoire de... Parce qu'il y a plein de choses qui se sont débloquées, j'ai quand même envie de pas mal jouer. J'ai envie de me préparer à ce qui va se passer. Donc moi, du coup, je vous fais d'énormes, gigantesques bisous, et je vous dis à tout à l'heure, peut-être. Ah, mais vous entendez pas le son du... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? D'accord, ok, on n'entendait pas le son du jeu. Du coup, ça devait être cringe. Bisous.